Je te salue. Tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que ça concerne le problème de terrain Je pense qu'on doit en parler. Femme, je ne suis pas d'humeur. De pouvoir discuter maintenant, tu peux partir. Ah, mais votre majesté Je dis pas... Oh. Les esprits de mes quatre pères. Dites-moi quoi ressemble mon règne. <laughs> euh, honnêtement... Euh... Je suis impressionné par la gloire qu'il y a derrière. Oh moi. oui, tu devrais l'être. Tout le monde en réalité devrait l'être. <laughs> tu sais que ta naissance me rappelle mon père. Tu es vraiment une copie de mon père. <rire> <rire> Bien, euh, que puis-je dire euh, Je suis honoré de l'entendre, père. Et tu sais, les plus étranges, c'est que quand tu grandissais, tu étais exactement le contraire de lui. Oh oui, quand il était en vie, et tu aimais les choses qu'il détestait. Hum? Il aimait les animaux, spécialement le chat. Mais toi, tu connais <laughs> la suite. <laughs> euh, euh, papa, euh, euh, merci pour cette histoire. Mais ce qui est plus important, je veux savoir sur les traditions et coutumes de mon mmh. peuple. Mmh. Tu sais que je viens de revenir. Et je ne sais pas, mais je crois que c'est important que j'apprenne tout de chez toi. Bien sûr, tu dois l'apprendre. Cela ne doit pas être un problème. À tout moment que tu auras besoin d'une clarification sur un sujet qui te dérange, viens. Viens vers moi. Je te <laughs> dirai et tu comprendras. <laughs> je savais que je pouvais toujours compter sur vous, papa. Je t'en prie. Oh bien, papa. Maintenant, je vais aller me reposer. Je te vois lors du dîner. Ok, au revoir. Très bien, papa. Mon roi, mon père, à plus. Oh, euh, mon téléphone. Très bien, papa. Voyons-nous à l'heure du dîner. c'est mon foie Va m'appeler Ezebobé. Le roi est là et il aimerait vous voir. S'il vous plaît, vous pouvez entrer. Non, je vais causer avec lui ici et maintenant. La voix autorisée des dieux. Je me demandais pourquoi vous n'êtes pas entré dans la parcelle. J'ai pour vous le message venant des dieux. Je savais très bien que vous ne pouviez pas venir ici en vain. Tout message venant des dieux est le bienvenu. S'il te plaît, viens on en entre. Ce n'est pas nécessaire. Alors, quel est ce message? Il est temps pour que le prochain roi soit prononcé. Hein? Disparaît. Oui, Sa Majesté. L'héritier du trône doit être présenté aux dieux pour qu'il soit accepté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ça tombe au bon moment. J'étais d'ailleurs en train de me demander pourquoi est-ce que les dieux ne sont pas en train de parler tous ces temps. Ils parlent quand tu le veulent. Dans ces jours précis, les rituels doivent être faits. Très bien. Je vais mettre toutes les machines en marche pour m'assurer de son couronnement spectaculaire. C'est bien. Fais ce que tu dis. Aizemon. Dieu de notre terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. <rire> <rire> santé. Santé. <rire> <rire> Juste au moment où j'étais sur le point de perdre ma tête. Alors que les dieux vont m'apprendre qu'ils sont vraiment les dieux de notre terre. Je suis vraiment heureux. <laughs> tu sais, Igwe, mm -hmm, vraiment. Je crois que tu dois fixer une date pour que nous partagions un très grand dîner. Pour célébrer cette bonne nouvelle. En effet, ta joie est aussi la joie de tout le monde ici dans ce palais. Oh, certainement Qu'est-ce qui se passe ici Je ratais quelque oh, chose Oh, ma très mignonne fille mais Mets-toi, prends place Merci S'il te plaît, papa Ok, j'ai le droit de savoir ce que se passe, n'est-ce pas Oh, bien euh, J'ai été finalement apaisé euh, Je veux dire, que j'ai été ici... Euh, il m'a dit que les dieux sont venus lui dire qu'ils ont choisi mon successeur. <laughs> ce qui signifie que ton frère sera le prochain roi. Oui, 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 oui. <laughs> Félicitations. Je suis tellement fier de toi. <laughs> je suis vraiment heureux que ce soit venu autant convenable. Ah oui. <laughs> J'étais déjà en train de déranger les dieux. <laughs> je suis très, très content. Et je ne peux même pas attendre que je puisse être présenté comme le prochain roi. <laughs> tu sais quoi, Ezeboubé, je suis fatiguée de t'attendre fixé le jour pour ce dîner. Alors, je pars voir les cuisinières pour leur dire ce qu'elles doivent préparer. Oh, mmh. ma chérie, mon ange, maman, allons-y. Euh, ok, ma maman chérie. <laughs> Va faire tout ce que tu veux faire pour nous. <laughs> en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations <laughs> Sa majesté Félicitations <laughs> Sa majesté Oh, dis tout Toute là. sa majesté <laughs> euh, euh, Je suis vraiment fier de toi. Je suis heureux. Tu as maintenant franchi une nouvelle étape de ta vie. Une étape d'homme. Des grands hommes. <laughs> Merci beaucoup, papa. Je promets de ne pas vous abandonner. Je pense que nous devons aller chez les Ezemo pour qu'ils puissent nous donner des nouvelles. Et tu dis ça pourquoi Comment sommes-nous supposés préparer l'organisation de la cérémonie de la présentation du prince comme le prochain roi de ce royaume sans avoir de nouvelles du Ezemo euh, 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 Ichi, je ne sais pas pourquoi tu t'embrouilles toi-même avec les choses qui ne sont pas importantes. Qu'est-ce que tu dis Le Ezemo lui-même a parlé au roi. Et le roi nous a dit... Ce que zémo lui avait dit... Et pourquoi devons-nous encore rentrer pour écouter Zemo Pourquoi Mais... N'es-tu pas en train de me dire... Que le conseil des sages de ce royaume... Est si compromis... Que nous faisons seulement ce que le roi dit... Sans même vérifier si c'est bien ou pas... <laughs> et et, et c'est comme ça Écoute, écoute, écoute... Ici si vraiment tu cherches à politiser cette affaire, je te le demande maintenant d'arrêter. Les EZMO a parlé et les rois a communiqué. Écoute, nous allons garder ce qui a été dit pour la présentation. Devant les staff, si quelqu'un a dit des mensonges, nous allons les découvrir. Et si quelqu'un a dit la vérité, nous allons le découvrir devant le même staff. Ce n'est pas à toi et moi de s'asseoir ici et en discuter. C'est pour les dieux, alors je te conseille de bien garder le silence. Tu es prêt Oui, Ezemo, je suis prêt. Ça, c'est de l'eau. Personnellement, je l'ai puisé à la rivière Akalobwe. Lave tes mains, Enfin de te connecter aux esprits de nos ancêtres. Et ensuite, tu vas tenir le sceptre pour la déclaration. <laughs> Hein? Oui, vas-y, vas-y. Fais-les. C'est ce qu'on attendait tout ce temps. <laughs> Vraiment, ceci met fin à ces processus. Allez-y dire au roi que le Ritz n'a pas réussi la présentation également et la déclaration est reportée. Eh hey, Zemo pardon, tu pars et tu nous laisses ici sans pour autant nous expliquer ce qui s'est passé Va dire au roi ce que je t'ai dit. C'est quoi ça encore What? Pourquoi est-ce que vous avez tous cette humeur sur vos visages Votre Majesté, ça n'a pas bien marché. Pas du tout. Qu'est-ce que tu insinues? Les chefs spirituels étaient absents? Ognese, ce n'est pas ça, il était là. Mais le problème est, votre fils, le prince, il était incapable, même de commencer les processus, ce que l'on dirigeait pour tenir les sceptres. Incapable? Je t'en prie, Ono, qu'est-ce que tu viens de dire? Ma reine, ça nous a aussi surpris comme vous. Ce qui s'est passé là-bas, devant le sage, ça ne s'est jamais fait. Il y avait une force étrange, ce qui a poussé le prince de tomber par terre. En plein rituel, il a jeté de l'eau par terre avec vitesse, qui était dans la calabasse secrète. Alors le grand prêtre nous a dit de venir te dire au niaisé, que euh, le rite n'apparaît ici. La présentation, elle est interrompue et la déclaration est reportée. Euh, non, non, non. Que quelqu'un d'entre vous me dise que ça, c'est une votre aventure. Votre majesté, ce n'est pas une aventure. Ça s'est fait devant nos yeux. Même votre fils ici, le prince, je suis sûr, il est vraiment surpris comme le même. Euh, 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 le grand prêtre, euh, il peut être le nier pour expliquer ce qui s'est passé. On ne sait pas. Je n'ai pas même le courage de parler parce que je ne vais pas aller au-delà des dieux. Mais je suis inquiet. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que cela a un lien avec moi? Est-ce que je suis allé à l'encontre de ce que le prêtre ne peut pas faire pour me réconcilier avec les ancêtres du royaume d'Akanoku Ou il y a quelque chose à faire avec le jeune homme Répondez-moi. Regarde-moi droit dans tes yeux et dis-moi ce que tu as fait, mon fils. Je ne comprends rien. Je n'ai rien fait, je veux dire, je n'ai rien fait du tout. Faux! Oh. Pourquoi alors as-tu permis que le contenu de la calibasse se mette à terre? J'ai moi-même besoin d'explications. Et. Juste au moment où je l'avais touché, j'avais senti une force étrange qui m'a fait tomber par terre. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. <tousse> Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tout ceci n'arrive que durant mon règne? Il était certain que je pense que quelque chose n'allait pas quand le Dieu avait pris beaucoup de temps sans dire un mot. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu sais que je sais plutôt que j'ai bien joué mon rôle comme un père. J'étais élevé dignement. J'étais bien protégé. J'ai fait tout ce qu'un père peut faire pour son enfant. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, papa Les choses sont très mal parties du moment où tu as été incapable de foutre tes mains dans le contenu de la calibase qui t'a été donnée par le chef lui-même. Est-ce que tu comprends cela Je vais te demander pour une seconde fois. Es-tu vraiment sûr que tu n'as pas de sang sur tes mains Vraiment Oh papa, comment pouvez-vous dire une telle chose Je connais une assumption. Je dois pousser ma réflexion très loin. J'ai besoin des réponses. Et tout le coin doit être révisité. Des réponses, fils Ezemo je suis revenu parce que quelque chose me dit que tu es capable de m'expliquer. Maintenant, comme les anciens ne sont pas encore ici, euh, tu es capable de m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? J'entendais l'information venant des dieux, mais ils n'ont pas encore dit quelque chose. Aizemo, hey tu dois essayer. Cherche à voir l'information venant des dieux. Parce que la nouvelle de ce qui s'est passé aujourd'hui s'est répandue. Comme un vent dans les royaumes. Le gens m'appellent. Ils veulent exactement savoir ce qui s'est passé. Et je n'ai pas quoi dire. Alors s'ils si m'appellent, qu'est-ce que je vais leur dire <coughs> Les dieux parlent quand ils décident. Mais pour le moment, ils n'ont rien dit. Alors c'est mieux de dire cela qui t'appelle ce que je t'ai dit. Mais Zemmo, tu sais bien comment est ce problème. S'ils posent la question à Onohu et Onohu ne dit rien, il y a une petite chance qu'ils interpréteront à moins que Onohu cache quelque chose. Mets-moi ta place. Onohu, ce n'est pas bien de me pousser à te dire quelque chose que les dieux n'ont pas dit. Les dieux ne sont pas comme nous. Ils réfléchissent autrement. Dis-leur d'être calme. Éventuellement, le Dieu nous diront. Et je te dirai qu'est-ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas un problème. J'étais été écouté. nous donc faire maintenant euh, euh, Tu devrais demander à ton fils euh, qu'est-ce qu'il a fait dans le secret Parce que je sais comment se comportent les dieux. Ils n'agissent pas en vain. Il doit avoir fait quelque chose. Il doit avoir commis quelque chose qui a fait à ce que ce problème arrive. Maintenant, parle-lui. Il doit nous dire exactement ce qu'il a fait pour qu'on en arrive ici, avant que ce ne soit tard. Oh, mais, monseigneur, pourquoi n'est pas invité euh, euh, C'est juste une suggestion. Pourquoi n'est pas invité Ezemo Laisse-le venir tout clarifier, pour que nous puissions conclure. Je veux dire, nous l'avons très bien élevé. Nous leur avons appris de vivre une vie saine. Mon roi, il y a autre chose que ce que tu penses qui demande d'être vérifié. Ah. ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu insinues? Non, je ne suis pas en train d'insinuer quelque chose. Mais je suis sûre que Ezemo est capable de nous dire mmh. ce qui se passe. Il mmh. est l'œil des dieux. Mmh. Je veux dire, laisse-le venir s'il te plaît nous faire sortir de ses mmh. pétrins. Mmh. Euh, que devrais-je faire maintenant Je vous salue, papa. Euh, euh, salut. Qu'est-ce qui t'emmène dans ma présence? Est-ce que je peux discuter avec vous, papa? Euh, écoute, je n'ai pas d'humeur. Écoutez tout ce que tu veux me dire maintenant. Tu peux partir. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si abattu Penses-tu que c'est de ma faute Est-ce que c'est de ma faute si les dieux ont choisi de ne pas arranger les choses pour nous Tu continues à être mon père. Et nous ne pouvons rien laisser entre nous pour tout gâcher. Euh, tu vois, ça c'est le problème avec toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Ce n'est pas seulement à propos de problème qui nous est arrivé. C'est juste la quintessence même de la royauté dans notre famille. Et le grand prêtre va tout régler lorsqu'il le voudra. S'il te plaît, papa, pouvons-nous continuer à vivre notre vie normale Encore une fois de plus, je veux rester seul. C'est clair que tu n'es pas content de me voir. Je reviendrai lorsque tu auras mieux. Bonjour, ma reine. La présidente de Umwaba est ici pour vous voir. Nous devons reporter cette réunion. Je ne suis pas d'humeur, je ne saurais pas voir quelqu'un aujourd'hui. Présente-lui les excuses de ma part. D'accord, ma reine. Puis-je entrer maintenant? C'est impossible actuellement. Pourquoi? C'est quoi ça? Lui a-t-il dit que je suis ici? Je suis la présidente des femmes. Il n'y a pas une autre. Il n'y a que moi. Présidente de Umuada. Pourquoi me fait-elle attendre ici? Elle m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Elle ne peut pas vous voir maintenant. Eh hey! Je suggère que vous puissiez revenir plus tard. Hein? <laughs> en tout cas, je ne me blâme pas du tout. Je comprends, ce n'est pas de ta faute. Calme-toi, calme-toi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a C'est mon père. Cet homme commence à me faire perdre la tête. Contrôle ta langue. C'est comme si c'était jeu de moi. Après tout ce qui s'est passé, il ne veut plus me traiter comme son fils. Il est devenu froid envers moi. J'ai essayé d'introduire une conversation et il refuse de me parler comme mon père. N'est-ce pas, c'est pour énerver l'autre Mon fils, tu dois lui donner du temps. Ce qui s'est passé l'autre fois n'était pas ce à quoi on s'attendait. On pensait qu'à ce moment, on serait en train de célébrer. Bien, c'est ce qui me fait poser aussi une importante question. Parce que jusque-là, on ne m'a rien expliqué. À quoi consistent réellement ces processus Bien. Je pense que ton père t'avait déjà briefé à propos du trône. Tu vois, fils, le sceptre du royaume d'Akalogo n'est pas du tout ordinaire. Pour que tu puisses le tenir, tu dois être choisi par les dieux. Oh. Alors, fiston, tu dois te calmer et nous laisser trouver la solution à ce Mon problème. Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a pris pour revenir dans ce royaume, ce royaume d'enfer? Les hommes peuvent encore parler de. de Dieu, des ancêtres. Vraiment? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire je suis désolé maman, mais je suis déjà fatigué de toutes ces traditions stupides. Je suis une personnalité internationale et j'ai une fois été le président de l'Union des étudiants dans une université de renommée en Europe. Je suis fatigué de ces traditions secrètes et lorsque les choses vont mal tourner, les hommes ne pourront pas parler ou tout admettre. Excuse-moi maman. C'est quoi ça il n'est pas intéressé par les dieux. Et il est intéressé par qui Par les ancêtres. Et nous voulons qu'il soit le futur roi. Est-ce la raison pour laquelle il n'était pas capable de passer par tous ces rituels je veux savoir la raison derrière le processus des rituels anciens. Parce que Ekinefuna est le premier fils. Automatiquement, il doit succéder son père. Bien. Ton frère ne peut pas succéder à ton père s'il ne passe pas par des rituels. C'est le seul processus qui va montrer à tout le monde qu'il n'est pas un homme simple, mais il est le futur roi. S'il est capable de tenir le sceptre, ça montrera qu'il a un cœur pur. J'espère que ses mains sont propres. Mmh. Tout ceci est donc le silence de la tradition. Maman, il y a une force inexplicable entre les deux camps. Manon, tu as parlé. Mais je ne sais pas pourquoi -ce que le processus avait échoué. Peut-être qu'il y a une chose relative au Dieu. Pourquoi tu dis ça? Maman, regarde ça dans cet angle. Ikemefuna est vraiment de sang pour faire une chose qui va offenser le dieu. Il y a sûrement une raison pour laquelle la procédure n'a pas marché. Et peu importe ce que cette raison peut être. Ça n'a rien à voir avec Ikemefuna, maman. Tu peux avoir raison. Mais je n'ai pas encore vu Ezemo ici au palais pour en savoir plus. Maman, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent le faire vite parce qu'ils keméfouna. Ils funa. Il se perd au fur et à mesure. Il se perd. Tu es prêt? Oui, Ezemo, je suis prêt. Ça, c'est des lots. Je l'ai personnellement puisé à la rivière des Akalobwe. Lave tes mains pour se connecter aux esprits de nos ancêtres. Enfin de prendre les sceptres pour la déclaration. Oui, vas-y, vas-y. Fais-les. le bon moment est arrivé. <laughs> la main fin à ah, Ce processus va dur au roi que le rite a échoué. Je suis sûr que je n'ai rien fait N'ont-ils pas mis quelque chose sur mes mains? C'est comment mon frère, tu vas bien. Comment vais-je mieux aller avec tout ce qui se passe dans ces palais ah. Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais la cause de tout le problème Mon frère, il serait mieux que tu te calmes et que tu comprennes que c'est la tradition du peuple. Et la personne qu'on doit couronner comme roi doit apprendre et à respecter la tradition de ces terres. Et je te dirai ce que j'ai dit à maman. Je n'aime pas la tradition. Je ne suis pas confortable avec la tradition. Je ferais mieux de rentrer en Europe. Et reprendre ma vie d'où je me suis arrêté. De quoi es-tu en train de parler Tu veux retourner en Europe À qui laisseras-tu ta place Quand Quiconque compte tolérer ces traditions stupides. Est-ce que tu peux arrêter Arrêter et faire quoi Le processus n'a pas réussi. Et qu'est-ce que je reste faire ici Revenir et juste regarder ces hommes de basse classe qui se font appeler les conseillers Ça serait mieux de partir vivre ma vie. Ok. Calme-toi et ne sois pas monté. Je crois qu'il y aura une porte de sortie dans cette affaire. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Je suis en train de rentrer en Europe pour vivre ma vie. Oh, oh mon fils. <rire> <Maman>. <rire> je suis vraiment heureuse. Et tu as fait notre fierté. Honnêtement, je suis si impressionnée avec tout ce que j'ai vu. Je n'avais pas d'autre choix que de faire de vous fier de moi. Vous savez, c'est à cause de vous que mon rêve de devenir ingénieur civil a été réalisé. Fils, et je suis heureux. Euh, euh, tu vois, fils, tu vois, nous nous aimons ta détermination et ta passion. Tu as battu un grand travail. Euh, nous n'avons que fait ce que tu attendais de nous comme étant de parents. Qui est celui de te guider? Et nous sommes fiers que tu nous as écoutés. Nous sommes contents avec l'argent que tu as apporté. Merci, papa. Merci, maman. Je suis vraiment heureux. Du moment où vous êtes heureux, je le suis aussi. Parce que vous êtes tout ce que j'ai dans ce monde. Quand vous l'êtes, moi aussi je le suis. Car oh. j'ai toujours voulu voir oh, des sourires sur vos beaux visages. Oh, je oui. suis heureux. Ça va, mon fils. Nous sommes très heureux de ton retour. Mmh. J'allais oublier quelque chose. La nourriture est prête. Oh. Tu allons sais, c'est ton plat préféré. <laughs> J'ai compris maintenant la raison pour laquelle il y avait une très bonne odeur qui me Oh oh, allons-y, allons-y, <laughs> allons-y. <laughs> mon fils, tu es terrible. Je suis tourmenté et ma tête n'est pas en paix. Qu'est-ce qui te trouble, mon roi? Aisez-moi vous parler comme si vous ne saviez rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne m'as absolument rien dit. Après que le processus ait échoué, il s'agit là de mon fils et je veux savoir pourquoi il a été rejeté par des dieux. Je sais que tu as peur, mais je vais te dire ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est Votre fils est un Il n'est pas juste pour te succéder. Aisez-moi, je suis confus. Tu es en train de me dire que les dieux sont en train de se préparer à ramener la royauté à une autre pas dit tout, famille Pas du tout. Le prochain héritier du trône viendra de ta famille. Pour finir avec les bruits, mmh, mmh. aisément. Cela signifie automatiquement que les dieux vont maintenant permettre aux femmes de régner sur notre royaume. Et cela sera mieux pour ma fille Adèse. Elle est suffisamment chevronnée et elle a de la classe et de la maturité. Ça sera bien. Elle sera un très bon roi. Cela sont tes imaginations. Et tu permets des choses imaginaires. Le prochain héritier du trône sera un homme. Et il viendra de la famille royale. Ah, vous êtes en train de rendre cette situation beaucoup plus difficile pour moi. Mon unique fils a été rejeté par des dieux. À quel fils te réfères tu qui puisse venir de mes entrailles Mon roi, je te l'égire. Par les dieux de ce royaume, j'ai eu le message venant des dieux. Les prochains héritiers du trône viendront d'être alignés. Et ça, c'est le message des dieux. Il n'y a personne qui peut dire autrement. Ce que tu viens de dire me rend vraiment confus. Hmm, c'est exactement ce qu'il a dit. Il m'a dit que le successeur au trône serait un fils biologique. Et qui n'est pas Ikenefu ah, ah. Parce que Ikenefu a été rejeté par les dieux. Oh, niaise, je ne le crois pas. Ce que tu m'as dit, c'est ce que Akalugo avait dit. Est-ce que tu l'as entendu direct ah, Il ne l'a pas seulement dit. Il l'a dit avec beaucoup d'assurance. Ah, ah. Ainsi, c'est énorme dans sa posture de prêtre. Et, et, et qu'est-ce que tu veux que je dise <laughs> Votre Majesté, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai ri. Parce qu'en quelque sorte, je veux parvenir à te faire comprendre ce que le grand prêtre t'avait dit. Hein? C'est ça. <laughs> Onyeze, vous n'avez que deux enfants. Mm -hmm. Princesse Adeze et Ikemefuna. Mm -hmm. Celui dont tu fais allusion, tu sais que les dieux l'ont rejeté d'être roi des royaumes d'Akalugo. Et princesse Adézi, en tant qu'une femme, ne peut pas être un roi de ce royaume. Ognézé, c'est ce que le grand prêtre essayait de te dire. Il veut dire, qu'il faut te trouver une autre femme. Qui donnera naissance à un homme, c'est lui qui te succédera. <laughs> tu me comprends maintenant? <laughs> mmh. Je n'étais pas en train de penser de cette façon. C'est pourquoi je suis venu te le dire en face. Je n'étais pas <laughs> en train de penser comme cela. <laughs> que Dieu fasse de belles <laughs> C'est pourquoi tu je suis là pour vous. Alors, Votre Majesté, maintenant nous avons de masquer pour comprendre le message du Grand Prêtre. Et maintenant, j'ai votre permission. Est-ce que je peux le faire pour vous amener une unique belle fille de ce royaumes pour les joies? Mon roi, ah, oh permettez-moi oh, de oh, le faire. Oh. Ah, Je suis un roi, je ne prends pas des décisions rapidement. <laughs> 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 eh, eh, Calmons-nous, c'est ça. Bien, va aller. Mais la nouvelle femme viendra. Ça arrivera, calme-toi. On doit attendre. <laughs> Qu'est-ce que c'est? tai je jamais dit que je ne veux plus parler de cette affaire, hein? Ah ah! N Mais mon roi, avec euh, tout le respect, je suis ta femme. Peu importe que c'est, ne sommes une famille. J'ai appris que Ezemo était ici très tôt le matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a rien de ce qu'il a dit qui puisse m'amener à discuter avec toi. Hein? Ah ah! Nous parlons de mon fils ici. Qu'est-ce qui t'a fait croire que je n'ai pas le droit de savoir ce qui ne va pas avec mon fils Alors, vas-y. Et c'est à tout moment que tu parles de ton fils, ton fils, ton fils, comme si c'était le seul garçon dans ce monde. Suis-je en train de louper quelque chose ici, mon roi Dis-moi, qu'est-ce qui le concerne Tout autour de lui n'est pas toujours bon et nous devons en discuter. Malheureusement, ce n'est plus autour de lui, c'est passé au-dessus de lui. Il a été rejeté par les dieux en présence du prêtre et du conseil. Maintenant, le problème tourne autour de l'avenir du royaume. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Je suis sûre que tu es venu ici discuter avec moi. Qu'est-ce que c'est? Papa, l'attention que j'ai trouvée ici n'est pas bonne. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Oh no, mon cœur est tellement brisé. Je le vois déjà. Je vais dire le fait de me suivre à la maison montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma reine, vous êtes prête à me parler? C'est quoi le problème? Oh non, ça fait un temps que je suis captivée dans le noir. Et j'avais décidé de ne pas du tout me plaindre. J'ai évité que les gens me prennent pour je ne sais qui. Mais. Je pense que ceci a dépassé ma tolérance, Ono. Hmm. Ma reine, ça c'est un langage fort que vous avez utilisé. Pourquoi dire de telles choses Ono, oh j'aimerais savoir la raison pour laquelle les rituels de mon fils n'avaient pas marché. Est-ce que le roi a refusé de dire quelque chose à propos Il n'y a que vous qui pouvez me dire ce qui se passe. Je crois que le roi doit pouvoir dire quelque chose. Le roi dit quoi exactement Rien du tout. Il ne m'a vraiment rien dit. Ma reine Oh Est-ce qu'il est que vraiment possible pour toi... Pour fortement douter... Comme votre fils n'est pas connecté avec le dieu de ce royaume Mais Ono... C'est de mon fils que nous parlions ici. Je pense que j'ai le droit de savoir quelque chose concernant mon fils. Je suis d'accord en 50%. Ah. Mais vous devez comprendre que le problème dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement votre fils. Nous parlons ici de quelque chose qui est connecté avec Akalugo, le dieu lui-même. Je crois que vous devez rentrer. Attendez le retour de votre mari parce qu'il va parler au moment opportun. Mon mari, le roi a refusé de dire quelque chose. Et je suis fatigué de me taire. Très fatigué de rester dans le noir. Alors, aisément, je suis venu savoir pourquoi les rituels qui devaient montrer que mon fils serait le futur roi avaient échoué. Avec tous les respects que je vous dois, ma reine. Il y a une raison pour laquelle j'ai refusé que vous vous asseyiez. Et je n'ai rien à discuter avec vous maintenant. Tu as quelque chose à discuter avec moi. Je veux dire, nous parlons de mon fils ici. Le problème, ce n'est pas votre fils. Le problème, c'est le trône. Mais mon fils est l'héritier du trône. Comment peux-tu parler du trône si mon fils n'est pas du tout dedans Il y a la raison. Depuis nos ancêtres, une femme ne peut pas jouer le rôle du mascotte dans ton village. Ce n'est pas question de mascotte, nous parlons de mon Je fils. Rien. Toute chose à faire avec les dieux. Les trônes où les problèmes du royaume doivent être discutés avec les rois et les cabinets. Je n'ai rien discuté avec vous. Excuse-moi, aisément Es-tu en train de dire que ma position en tant que reine de ce royaume n'est pas reconnue par toi Avec tout respect, vous êtes la reine de ce royaume. Je n'ai rien discuté avec vous. Entre chez toi. Une fois encore, merci beaucoup d'avoir honorer cette rencontre. Je vous ai appelé pour vous informer que je suis en train de rentrer en Europe. Quoi Pourquoi, fils Je fais de mon mieux pour trouver une solution à ce problème. Pourquoi prends-tu une si vite décision Bien, maman, j'ai je pensais que ça pouvait marcher mais c'est clair que ça ne va pas marcher. J'avais tout abandonné, ma carrière, les études, et essayé un peu de penser comme, de manière traditionnelle, mais, mais ça ne marche pas, et au lieu de rester ici à ne rien faire, je ferais mieux de rentrer d'où je viens. C'est ce que tu veux? Ma sœur, je pensais que nous avons déjà discuté de ça. Oui, je pense que tant une personne éduquée, ma décision doit être respectée. Bien sûr qu'on va la respecter. Si tu penses que c'est ce que tu veux, c'est bien. Si rentrer en Europe t'aidera à te sentir mieux, en tout cas, tu as tout mon soutien. Euh, merci. Et écoute, fils, tu ne dois pas te traiter durement. Nous avons beaucoup de gens dans notre société qui ont fait beaucoup de choses, qui ont impacté beaucoup de vies, sans même être roi. Et cela n'est pas différent. Euh, écoute. Dans une situation comme celle-ci, il n'y a rien que je puisse faire. Et telle est la tradition. Je ne peux pas aller à l'encontre de la tradition. Tout ce que nous pouvons faire étant contre la tradition ne sera pas bien. Et cela ne sera surtout pas une bonne chose pour notre famille. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et tu le sais très bien. Et tu sais qu'aussi longtemps que je voudrais que tu restes ici, mais je voudrais te laisser voler. Vas-y, sois une meilleure personne. Sois aussi meilleure que tu l'entends. Rends-nous fiers. Euh, en ce qui concerne ta décision de rentrer en Autriche, euh, tu as ma bénédiction. Euh, merci énormément, papa. Que les dieux soient avec toi. Merci, papa. Et tu réussiras. Merci, papa. Quand est-ce que tu vas revenir? Je pars dans cinq jours. Quoi? C'est très vite. Maman, laisse le jeune homme partir. Je suis là pour toi. S'il te plaît, maman, je suis un homme qui a déjà grandi et quand j'ai pris ma décision, je veux que tout le monde autour de moi puisse la respecter. Je rentre en Europe. Fils, pourquoi veux-tu partir? Pourquoi ne pas rester et t'engager ici Tu as en effet tout le moyen pour te ressaisir. Pourquoi veux-tu alors partir Est-ce est pour le trône Maman, tu sais bien que je n'ai jamais été obsédé par le trône. Je rentre en Europe pour pouvoir poursuivre ma carrière avec les amis de longues années. Mais une chose dont je peux t'assurer, maman, je t'assure de te rendre fière. Tu as toujours fait ma fierté, mon fils. Merci énormément, maman. Tu dois rester hors de trouble. Je le ferai. Tu vas me manquer, maman. Tu vas plus me manquer. J'étais maman. Oh. Oui, ma maman. Et rassure-toi de m'appeler chaque jour. Je le ferai. Toi également. Je t'appellerai. Les grands œils de Dieu. Nous sommes venus pour quelques clarifications. Nous ne pouvons pas avancer dans la confusion et laisser les choses se passer de la manière dont elles se passent. Depuis que tout ceci est arrivé, tu ne nous as rien dit. Les rumeurs sont en train de circuler dans tous les sens. Et nous nous posons des questions. Qu'en est-il de l'avenir de notre royaume Où oui, est Ono Nous sommes le membre du conseil. Et nous sommes venus faire des demandes concernant notre royaume. Vous voulez dire que si nous ne venons pas avec le ONU, nous ne pouvons pas le faire Non, je n'ai pas dit ça et non plus je n'ai pas refusé de le faire. Vous devez rentrer à la maison et vous reposer. Le prochain héritier sera confirmé dans la famille Ezeboubé. Quand le moment viendra, les dieux nous révéleront qui est l'héritier. Parce qu'il continue totalement à contrôler les problèmes de ses royaumes. Pour de vrai, tu vas me manquer. Tu vas aussi énormément me manquer. Surtout que je ne sais pas quand je vais encore revenir dans ces terres. Mais je ne te comprends pas, tu parles comme si tu ne vas plus revenir. Je ne sais pas quoi vraiment dire. Imagine qu'une très belle terre comme celle-ci continue toujours à croire à des choses comme. Les ancêtres, les dieux... Ces choses doivent cesser. C'est bon, faut pas le blâmer. Cela veut dire que c'est ce qu'ils savent, alors ils travaillent là-dessus. Je ne peux pas travailler pour eux. Je ne suis pas intéressé. Ne m'aimez pas dedans. Enfin, il ne faut pas que tu n'oublies. Personnellement, tu vas beaucoup me manquer, alors il faut que tu saches ça. Ok. Nous commencerons à nous parler en appel vidéo. Promis. Je vais juste commencer à te donner les infos sur tout ce qui va se passer ici à la maison. Je crois sais moi. très bien que tu aimes toujours le faire. Nous sommes proches de l'aéroport. Je commence juste à me fatiguer. C'est vrai Oui, vraiment. Ma carrière est en train de m'attendre. Je ne peux pas rester ici et juste parler des ancêtres, le dieu, les calébats. Ça va, oh, oh, c'est bon. Tu sais, j'ai peur de... Tu euh, sais c'est bon. Cette situation. Le non, non, le roi ne va roi, pas en tout cas, On ne sait pas, pas ce qu'on fera ce ici. Le roi, non, non. C'est compliqué. C'est pas bien ça. C'est pas bien. ne pas C'est pas bien. Nous étions tentés de croire qu'il y a un accord secret. Mais je l'ai vu différemment. Comment tu trouves ça Sommes-nous obligés d'amener Onohu partout où nous allons, même si nous devons aller parler avec présents Ça va paraître comme si nous nous révoltons contre le roi et le Onohu. Et ça ne sera pas bon pour ce royaume à long terme. De... Ce qui découle de l'adresse du prêtre. C'est que c'est tellement dangereux. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de se voir plus hommes que nous. Nous devons aller voir le Nour et lui faire une déclaration. et Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Deux fous ne peuvent pas faire du bien. Oui. Nous devons confondre le mal. Pour que le bien soit fait. Ça, c'est exactement ce que nous allons faire. Tu si as vraiment besoin de te calmer, Si nous nous empressons à résoudre ce problème, cela se transformera en carnage et on n'est pas prêt à ça. Mais où oh, tu Il n'est pas important de pouvoir t'en aller pendant qu'on discute sur des choses importantes. Et je m'adresse à toi. Mon ange, maman? Je ne sais pas que tu t'es déjà retournée après avoir déposé ton frère à l'aéroport. Maman, tu t'es reposée, je ne voulais pas te déranger. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce que Ikemi Funa doit partir. Je voulais qu'il reste et qu'il se recherche ici. Maman, tu connais Ikem. Il ne va jamais faire ça. Et je le soutiens. Oui. Je sais qu'il fera notre fierté. Tu connais ton fils. C'est un grand bosser, eux, très ambitieux. Je sais. Maman, maintenant, as-tu fait des efforts pour savoir pourquoi? La procédure n'a pas marché. Non, pas du tout. Peut-être que devenir roi n'est pas dans sa destinée. Ou peut-être que le Dieu a quelque chose de plus mieux pour lui. Vraiment? Quelque chose de meilleur qu'est succédé son père. Adéze, Soyons juste patients pour voir comment est-ce que nous allons finir ce problème. Ok maman. Votre Majesté, Iche Obala est venu me voir aujourd'hui. Pour m'informer d'aller voir les grands prêtres. Pourquoi doivent-ils aller voir le prêtre Pour lui poser une question. Pourquoi l'effet de notre royaume est si sombre mmh. Et qu'est-ce que tu leur as dit Bien, ils cherchaient à ce que je parte avec eux. Mais je les ai menti. Je leur ai dit que. J'ai un rendez-vous d'affaires avec un ami. Chose qu'ils ne peuvent pas résoudre. Euh, euh, ok, leurs intentions sont claires. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont supposés de faire comme anciens. Et il n'y a pas de problème. Mais Ognese, laissez-moi vous choquer. Ils ont quitté ces lieux en colère. Ah, pourquoi? Parce que le prêtre leur avait dit de rentrer à la maison. Il leur avait demandé de rentrer à la maison et permettre aux dieux de continuer et mettre fin à ce qu'ils ont commencé. Ah, oui. Et il leur a dit que les successeurs au trône viendront de mes entrailles. Exactement, vous devez avoir confiance à votre prêtre. Il leur avait dit ça. Et il continue à se lamenter comment cela pourrait être possible. <laughs> On y sait, dis moi <laughs> ah, <laughs> euh, C'est exactement cette question que j'allais aborder avec toi. C'est quoi le problème? Je suis prêt à prendre une deuxième femme. Ah. <laughs> euh, oui. C'est vraiment je me bien me rappelle ça. de la dernière fois où tu m'es parlé d'une observante. Et je pense qu'en faisant ça, j'aurai la personne <laughs> qui me succédera au trône. Oh, niaise, ne me faites parler comme ça. <laughs> Et je sais que ça va se réaliser. <laughs> Mais vous savez que toutes mes filles sont mariées. Elles toutes. Vous le savez. Mm -hmm. Mais Shinwe, ma nièce, la fille de mon défunt frère... Emma, elle est valable. Vraiment belle. Votre Majesté, nous parlons concernant une jeune fille qui s'habille bien, vraiment respectueuse, qui ne manque rien, elle a toute chose. Je vous l'ai dit. Eh, quand je vous disais que je vais, euh... vous trouver une demoiselle pour les choix, c'est son nom qui m'était venu dans ma tête parce que je le savais. Je crois que quand vous la verrez, vous la laisserez. <laughs> elle a toute chose, comme hey je venais de vous le Alors, dire. Bon, Alors, mettons <laughs> les batteries en marche. Hey, votre majesté, la première chose à faire, c'est d'informer la fille. Oui, je sais que si elle vient ici, elle ne sera pas disqualifiée. Je ne lui ai pas encore dit. Alors, nous devons l'informer. Si possible, je vais lui dire de venir vous voir. Vous devez vous parler à deux et commencer le processus. Oh, oh non, nous n'avons pas besoin de cette perte de temps. Et tu n'as pas besoin de perdre du temps comme ça. Tu sais ce <laughs> dont j'ai besoin. <laughs> Si tu peux croire en elle comme cette femme capable de pouvoir étancher ma soif, faites-moi euh, confiance. Alors eh, mais je croirai aussi. Je votre partant. majesté. C'est lui qui a la vache. C'est la personne qui sait comment diriger euh, la vache. Euh, On euh, ne peut pas les séparer <laughs> de la vache. <laughs> toute chose, toute chose est le vôtre, votre majesté. Ça c'est un arrangement. Euh, c'est un arrangement que nous <laughs> faisons. Euh, je vais lui dire de venir vous voir, mon roi. Je n'ai euh, pas de <rire> problème. <rire> On y <a> zé. <laughs> Mon frère, oui. bon après-midi. Bon après-midi. Euh, je suis ici pour voir Sa Majesté. Est-ce que tu as un rendez-vous avec lui euh, Oh non, et mon oncle, il m'a envoyé ici. Um, ok, attends-moi. Waouh, mon Dieu, oh là là, cette personne, comme elle est jolie, elle est très belle. Waouh, 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 mon Dieu, ouf. Bonjour, votre majesté. Mmh. Oui, qu'est-ce que c'est Il y a une dame qui veut venir vous voir. Elle a dit qu'elle a été envoyée par l'ONO. Le... OK, laisse-la entrer. À vos ordres. a dit: Je peux entrer? Votre Majesté, mes salutations! Ah, salut. Comment tu vas, ma chère? Ah, assis-toi. <laughs> merci, votre majesté. Euh... Comme vous pouvez le voir, je veux bien. Oh, non, vous oh, ne m'avez pas menti à ce qui t'est concerné. Quelle beauté tu gauche. <laughs> 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 votre majesté, euh, euh... Hein? merci beaucoup pour vos compliments. Honnêtement, je suis honoré par votre présence. Maintenant. Je vais t'offrir à manger et ne me dis pas que tu n'as pas faim. Oh. Parce que maintenant, tu es venu en tant qu'invité de la part du roi. J'ai raison de t'offrir à manger. Est-ce que tu trouves ça oh, Votre Majesté, vous êtes en train d'agir euh, comme est... si j'étais très importante. Euh, tu n'es pas seulement importante. Tu es très, très, très importante et très belle. <laughs> Euh, merci gout. beaucoup, mon roi. Euh, viens. Ah, viens, viens t'asseoir ici. Chingwando <laughs> ma belle-fille. Je suis tellement heureux comme le roi t'a aimé. Content d'attendre ça. Oncle, merci beaucoup pour cette merveilleuse opportunité. Je suis sûr que ma maman sera vraiment très contente. C'est vrai. <laughs> tu peux imaginer. Que moi, l'ordinaire Chinwe, <laughs> oh Banji, ne dis pas ça. Pouvez devenir la reine de ce royaume. Oh, c'est pas croyable. <laughs> la raison est vraiment simple. Tu es une fille bénie. Et c'est pourquoi tu dois devenir la reine. <rire> <rire> Oncle, il fallait voir comment le roi était assis avec moi. C'est évident qu'il m'aime beaucoup. Il peut pas le nier. <laughs> uh -huh. Tu n'as pas <laughs> tort. Tu as toutes choses comme je lui ai dit. Que tu as. Tu as toutes choses. <laughs> c'est un peu ça. Ce <laughs> que nous devons faire maintenant, c'est à nous de commencer la préparation pour les mariages. Eh? Oui. Très rapidement comme ça. Oh, oncle, je suis très ravie <laughs> Mon dieu, ne pas <laughs> mort <rire> Il y a quelque chose là. Pourquoi le roi veut avoir une autre femme? Ah, ah. Je voulais dire, il n'a pas fait ça depuis lors. Tu sais. Comme tu me demandes cette question intelligente comme ça, tu me rappelles tout de suite pour te dire, tu es une fille sage. Merci oncle. <laughs> Alors pour la, pour être clair à ta question, je veux que tu comprennes que c'est mieux de mettre de côté certaines clarifications qui ne sont pas importantes. Oui. Ok 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 ok. Laisse-moi te le dire euh, autrement. Le roi a besoin d'une autre femme. Parce que le fait que cette dernière lui donne un héritier. Et tu sais que Ikemefuna, son fils, est rejeté par les dieux. Il ne sera pas roi après son père. Quoi? Je n'ai jamais su. C'est pourquoi je te l'ai dit. Tu es vraiment une référence. Tu vas devenir reine de ce palais. Simplement, je vais dire, ta position est garantie. Ok <laughs> Tu viens de le dire toi-même que le roi, il est attiré de toi, et moi, j'attends de toi d'utiliser toute chose que tu y as, tu sais, pour te positionner sur ces chemins, pour bien jouer ces jeux, afin d'attirer plus ton attention. Crois-moi, mon J'ai confiance à toi, ma chère. Tu sais, euh, je connais les rois. Très bien. Nous sommes les amis. Voire même avant d'être les rois, il était mon ami. Voilà pourquoi, euh, je t'envoie là-bas parce que, exactement, je sais ce que tu veux. Et je suis content parce que, toute chose ira à la vitesse de l'avion. Je te remercie infiniment. Merci. Je suis tellement reconnaissante. Non, 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 Ça ne vaut pas même pas la peine de me dire tout ça. Toutes choses sont bonnes. Écoute, mmh. je veux que tu te comportes toi-même. Très bien. Et alors, quand tu seras prête pour le mariage, tu feras beaucoup d'attention qu'on m'a communiqué à tes amis ce qu'on t'a offert. Oh mais non, il, faut il faut être prudente. Il faut être prudente avant de dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Non, mais les Tu sais quoi? Avant de connaître ce qui se passe, quelqu'un peut aller dire quelque chose et tout sera je gâché. Te Sois pas, je calme, ma fille. J'ai confiance à toi. <laughs> ça va aller. <laughs> Waouh Mes salutations, Sa Majesté. Salut, mon aimable reine. Tu parais si ravissante. <laughs> Merci beaucoup. Euh, alors, euh, comment était ta première nuit au palais hmm. C'était splendide. Quelque chose d'inoubliable. La vérité est que tu y es tellement saisissable est très fort. <laughs> tu as vraiment <rire> raison. <rire> Ça, c'est vraiment intéressant oh, oui, de oui, le mais... savoir. Votre <laughs> Majesté, s'il te plaît, j'aimerais parler avec toi en privé. <laughs> Sa Majesté. Je vais vous attendre dans ma chambre. D'accord, ma chère. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour cette affaire. Qu'est-ce que cela signifie euh, euh... Te regardons parler, c'est comme si c'était quelqu'un qui est venu vers moi tout en ayant eu des querelles avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de me quereller avec quelqu'un. Je suis sûr que tu as bien vu l'impolitesse qu'elle a affichée en me regardant lorsqu'elle partait d'ici. Bien, je comprends cela. Il est normal qu'une femme, si son mari prenait une autre femme, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas la seule. Quel est ce problème que tu as? Contre moi, dans l'essence de pouvoir résoudre ton souci. Votre Majesté, je n'ai pas du tout de problème avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas passer tout ton temps avec cette nouvelle fille. S'il te plaît, parle-lui. Et apprends-lui quelques notions de respect de personne. Elle est trop impolie. Les femmes resteront toujours des femmes. Elles ne changeront jamais. Écoute-toi parler. Tu es très jalouse. <laughs> et honnêtement, tu dois être au-dessus de ces problèmes. Ça, ce n'est pas du tout drôle, mon roi. Ah, ma reine, tu sais que je t'aime et je te respecte beaucoup. Tu es la reine et tu ne peux pas te plaindre pour des sujets de basse classe. Tu devrais normalement l'enseigner comment se comporter dans le palais. Tel est ton rang. Mais à t'entendre parler, tu parles comme si tu compétis contre quelqu'un. C'est que Ce n'est pas une compétition. Bien, mon roi. J'ai déjà dit l'essentiel. Les femmes. Tu... Je veux bien. Tu es très belle. Merci beaucoup maman. Tu peux pas quand même t'attendre des choses bas provenant d'un DG. Oh vraiment. <laughs> Et pourquoi tu pars en retard au boulot aujourd'hui Oh maman, je dois régler un problème avant que j'arrive au bureau. C'est bien. Tu ne parais pas épanouie. Qu'est-ce ah. que t'as maman C'est quoi ton problème Le désespoir de la succession du trône de ton père a fait qu'il emmène cette femme impolie dans ses palais. Maman, il faut que tu l'évites. Je ne veux pas que tu puisses faire des échanges de paroles avec cette fille parce qu'elle n'est pas de ton niveau. Elle est vraiment très basse. Je sais. Mais elle a de réactions comme si elle a plein droit ici, dans ce palais. Maman il ne faut pas que tu commences à te stresser à cause de ça. Fais-moi un sourire sur ces joli visages, maman. Je t'en prie. Je le ferai au moment opportun. Mais pour le moment, je ne suis pas heureuse. Tu dois être heureuse, maman. Rappelle-toi, tu n'es plus jeune. Tu auras l'attention. Non, et ça, c'est vrai. Je sais. C'est bon. Sois prudente, mon ange. Je suis toujours prudente et je veux bien. Tu es toujours jolie. Tu es la reine. Sois la reine. Passe une bonne journée, maman. Toi aussi, merci. On se voit le soir. Sois sage. Tu vois ces catcheurs. Je crois que c'est lui le plus fort de toute la confédération et il va nous faire celui Regarde, est-ce oh euh, euh, est que tu vois <laughs> C'est encore euh, qui est C'est -ce oh notre fils. <laughs> Bonsoir papa. Bonsoir mon fils, sois le bienvenu. Ah, bienvenue mon fils. Ah, ah, um... Tu parais stressé. Ah, je suis vraiment stressé. J'ai une journée très difficile aujourd'hui. Euh, 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 Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hein? Bien, nous regardons notre programme favori. <laughs> Donnez-moi énormément. <laughs> vous savez, quand je vous regarde à deux, je. Je crois toujours que l'amour existe. <laughs> T'en fais pas, mon fils. C'est pas pour longtemps. Tu trouveras aussi ton amour. Oh, wow, j'espère aussi, Bien maman. sûr. <laughs> euh, fils. Papa. Je pense que tu travailles très, très dur. Tu dois essayer de te reposer un tout petit peu. C'est juste mon opinion. C'est la vérité, fils. Maman. Je ne pas que tu t'épuises. Euh, maman, tu t'inquiètes beaucoup, ok? Tu t'inquiètes beaucoup. Je prendrai soin de moi. Ok, comme tu l'as dit, vas-y d'abord te rafraîchir et puis tu viendras un... Je euh, fais quelque chose de bon. Oh, non, 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 maman. Vous voyez pourquoi je me dis que vous vous inquiétez beaucoup, hein Je suis pas un étranger. Je connais très bien la cuisine. Mmh. Je vais prendre soin de okay, moi. Okay. <laughs> ne vous en faites pas. C'est à, à toi, assez, alors. D'accord, maman. <laughs> euh, <d 'accord>, maman. <laughs> mmh. Je me prosterne avant de vous saluer, ma reine. Peux-tu garder ta sal salutation avant que je ne puisse te manger? Je viens de ma chambre. Et j'ai vu les vêtements que je t'avais demandé de me le laver. Toujours sur mon lit. Pourquoi m'as-tu désobéi? Je suis désolée, ma reine. La nouvelle reine m'a demandé de nettoyer premièrement sa chambre. Et après le travail, elle m'avait envoyé quelque part. Quoi? Quel culot! Tu es ma servante personnelle. Elle n'a vraiment pas le droit de te demander un travail si ce n'est que le mien. Pourquoi la reine mère est en train de crier Je pensais que tu faisais l'hypertension. Il faudrait mieux que tu te calmes. Oh? Rien ne peut t'arriver actuellement sans que tu ne cites le nom de Chinwe. Hein Alors, parmi toutes les servantes de ce palais, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre pour envoyer Tu n'as vu que ma servante privée <laughs> mmh, euh, mmh. Euh, La reine mère, comme tu venais de le dire, il y a plusieurs servantes dans ces palais. J'ai juste choisi une et tu t'es mis là à crier. <laughs> Maintenant, je sais. Je n'ai jamais su qu'il y avait une servante qui était destinée à une personne. Tu as raison. <laughs> Tout est joué de ma patience dans ce palais. Ne faites pas ça. La ferme. La prochaine fois, si quelqu'un ose t'envoyer ou te donne une instruction qui empêchera la mienne et que tu l'as fait, je te chasserai ces jours-là. Dégage de ma vue. Il y a une raison pour laquelle j'avais permis à mon mari de t'emmener ici dans ce palais. Sois focalisé, sois en concentré. Et oublie cette partie qui te fait. Qui te fait croire que tu peux faire la guerre avec moi Écoute, la force de la nature sera très dure contre toi. Retiens mes mots. Je te renvoie ta malédiction. Je te la renvoie. Tu ne peux rien me faire, surtout venant de toi. <laughs> La jalouse, jalouse. Une personne me jalouse. C'est quoi cette affaire Ah oh, ah. Oh. Je vais continuer à défendre ma position ici dans ce palais. Ah oh! Elle veut que je puisse faire ce qu'elle veut. Et maintenant elle veut commencer à me prendre pour une servante. Je ne permettrai pas ça. Jalousie, jalouse, jalouse. Jalousie, la jalouse. Oh. <laughs> Maman, qu'est-ce qui s'est passé J'ai entendu crier. N'est-ce pas cette fille de basse classe que ton père emmenait dans ce palais en tant que sa femme Maman, qu'est-ce qu'elle a encore fait Elle a instruit Achika de laisser tous mes travaux et faire le sien pour revenir au mien quand il va terminer. Maman. Je t'ai demandé d'éviter cette femme. Arrête de la faire comprendre qu'elle est importante pour l'amener à ton niveau. Je ne l'accepterai pas. Adéze, parle-lui. Elle est la femme de ton père. Dis-lui d'éviter tout ce qui me concerne. Pourquoi elle réagit comme si elle avait beaucoup d'expérience en mariage que ma maman C'est vraiment délicieux. Merci. Merci. <laughs> mmh. 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 Très délicieux. <laughs> mmh. C'est quoi le ah! problème C'est quoi le problème Oh mon dieu. C'est quoi le souci Où ouais, est la stupide servante qui a préparé cette nourriture Qu'est-ce qu'elle a fait Mon roi, cette nourriture est tellement salée. Je peux pas manger ça. Si pourquoi? tu ne vas pas en manger, pourquoi ne pas chercher autre chose pour manger Arrête de créer des scènes ici. Cette nourriture, elle est parfaite, n'est-ce pas papa Mais tu sais qu que... Quelque... Assez de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a <laughs> Donc personne peux ne peut tu manger... fermer et manger dans le calme Ok, je ne peux pas manger ça, c'est trop salé pour moi. Mon roi, tu étais juste là et tu regardais comment ta fille m'humiliait, comme si tu n'avais rien remarqué. Ça, c'est pas du tout juste. Tu commences à m'embarrasser tout le monde. Tu embarrasses tout le monde et je n'apprécie plus cela. Mon roi, quand quelque chose n'est pas bon, je dois parler de ça. Bien. Tu as une drôle de façon de t'exprimer en ce qui concerne tes avis. Je n'apprécie pas cela. Tu ne dois pas oublier que ça, c'est un palais. Et tu dois voir ta façon de te comporter. Tu n'es pas la première reine. Mon roi, je suis désolée. Tu as intérêt. Je ne pouvais pas comprendre que tu mangeais ça. Cette nourriture n'était même pas bonne. Ce genre de nourriture n'est pas supposé d'être servie au palais. Spécialement une personne qui a ma condition. Qu'est-ce que cela signifie? Sa Majesté, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'écoute. Je... <laughs> Prends. Regarde-le. <laughs> Tu es grosse? Oui, sa majesté, je porte ton fils. <laughs> oh, vraiment, ah, vraiment, ça c'est vraiment étrange. J'ai beaucoup aimé. <laughs> Viens vers moi. <laughs> je suis tellement excitée. En <laughs> tout cas, nous devons fêter. Bien sûr. <laughs> je suis toute à mm -hmm. toi. Fais de moi ce que tu veux. <laughs> hey, 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 écoute Les dieux De notre merveilleux royaume Seront avec toi du début Jusqu'à la fin de cette grossesse Aucun mal ne t'atteindra Il sait. <laughs> ah. oh. Maman je maintiens toujours ce que je t'ai dit. Ne la laisse pas croire qu'elle est de ton niveau. S'il te plaît. et je sais. Je sais. Tu sais que je m'efforce. Mais cette fille ne se comporte pas du tout comme une très bonne femme. Hum. Peut-être que tu as raison. Mais papa, avec et toutes les filles de sa classe, c'est elle qu'elle a trouvée comme femme. Maman, la merveilleuse maman, s'il te plaît, vis ta vie. Ce qui est important ici, c'est que tu n'as rien perdu. Tu es toujours la reine du royaume d'Aniebo, maman. Alors, s'il te plaît, oublie ça, ok? S'il te plaît, maman. Mmh. <laughs> Ah ah! Pourquoi tu es assis comme ça? Je vais juste de la salle de sport. Et mon corps me fait mal. Regarde-moi cette fille. Je sais. Tu ne vas pas t'habiller maintenant. Nous devons partir à la boutique. Maman, non. Je n'irai nulle part. Franchement, je ne me sens pas bien. Maman, tu peux partir. On ira ensemble, même prochain. Regarde-moi cette fille. De toutes les façons, je ne te blâme pas. Tout ce que tu sais faire c'est partir au gymnase, revenir manger et puis regarder la télé. Maman, de quoi parles-tu Tu sais très bien que je suis capable de tout faire seule. <laughs> je peux même bien faire la lessive, mmh. souviens-toi. Je suis même capable de préparer moi-même. Je suis juste un sérieux problème de temps, mais sinon maman, tu sais très bien que moi je je suis une femme forte. Peu importe. Je veux juste que tu puisses finir avec tes examens. Je vais en parler aux amis pour te faire voyager. Sérieux? <laughs> oh, ma maman <rire> chérie. <rire> Merci, maman. Je voulais aussi te demander un peu d'argent pour pouvoir faire mon petit business. Mm -hmm. Quelle affaire! Quand tu n'arrives même pas à me au magasin. Où? Arrête ces distractions, oh, maman. Pardon. Arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Prends juste soin de toi. Toi aussi. Mouah. Je t'aime, maman. Bye, ma chérie. Ma plus belle nièce. <laughs> tu sais que je suis vraiment content de te voir comme ça. Oh <laughs> merci. C'est grâce à toi, non? <laughs> Assis-toi. Assis-toi. Oh, Assis-toi. Tu sais, tu sais, comme je te vois avec les véhicules du roi, tu es d'accord avec moi que le roi accepté que tu te déplaces avec. Oncle, tu peux encore le dire. Le roi est une personne aimant et attentionnée. Je peux le voir déjà. <laughs> Je crois que tu n'as aucun problème avec les gens du palais. Peut-être, peut-être avec la reine, j'espère. Oh non, même pas. Nous vivons dans la paix. C'est bien. <laughs> Ça, c'est bien. <laughs> euh, oncle, c'est bien de te revoir encore. Ça fait un temps que tu ne viens plus au palais. C'est parce que j'étais vraiment occupé avec mes affaires. Tu as oublié ce qu'on a fait Oh, euh, oh. Je fais ce que je faisais, je pense que tu le connais je... bien. Alors, je parlerai les environs. Je venais d'arriver il y a des jours passés. Je vois euh, <laughs> Et comme tu es venu aujourd'hui, je crois que tu iras, euh, tu iras voir ta mère avant de rentrer au palais. Ma mère n'est pas encore de retour de Mougo. Ah, c'est ça oh. Je vais même oublier. Vraiment, tu m'as rappelé. Oncle? Hein? Oui. Oui, ça, c'est à toi. Pour moi? <laughs> Et d'ailleurs, tu mérites mieux que ça. Ça m'étonne. <laughs> hey. Merci, oh. Je vais vraiment apprécier. Je t'en prie. Eh, hey. ça, c'est les histoires que j'aime, oh. <laughs> Et comme tu es là aujourd'hui, je crois que tu ne me quitteras pas rapidement, parce que je vais l'air instruire maintenant de te préparer quelque chose de délicieuse, quelque chose comme celle ton père aimait. Je sais que tu vas l'aimer. Oh, oncle, tu n'as pas à te déranger. Je suis pas un visiteur. Je connais mon chemin. Attends tu ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Laisse-moi prendre mon colis. Je reviens, hein? Ah. <laughs> je t'ai dit. Hé, hey, viens ici. Où est ma voiture La nouvelle reine est sortie avec. Ah, quelle bêtise Et tu lui as permis de sortir avec S'il vous plaît, Votre Majesté. Je savais que vous étiez averti. Vraiment Maintenant, disparais. D'accord, Votre Majesté. Quelle est cette bêtise que je suis en train de voir ici C'est quelle bêtise pourquoi déranges-tu le pauvre garçon C'est comme si tu ne sais pas le genre de femme que tu as épousée. Peu importe, laisse-moi prendre ma clé de contact. Ne te dérange pas. Nous pouvons toujours utiliser une autre. tellement bien. Mmh. Mmh. Ça veut-il dire que tu ne veux pas euh, apprendre à garder ta bande? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la reine dans ces palais. Est ce palais. Est-ce que je des limites? Avec toutes les voitures qui se trouvent dans ce palais, tu as choisi de te promener avec la voiture privée du roi? Mmh. Tu as appelé ça privé? Voilà, je suis sortie avec parce que c'est ce dont je besoin pour ma condition. Et en plus de cela, je ne sais pas pourquoi tu te fâches à cause de ça. Mm -hmm. Bien. Si tu finis de masser ton sale ventre, tu iras voir le roi. La femme jalouse. Je suis la femme du roi, alors je dois vivre comme le roi. Mon amour, <laughs> comment tu vas D'où est-ce que tu viens Je crie t'avoir dit que j'allais voir mon oncle. Et ça fait un moment que je suis sortie promener. Avec ça, tu es sorti de ma voiture. Où est le mal dans ça Suis-je pas la femme du roi Écoute, tu dois vraiment comprendre ça. Je ne savais pas que tu étais si respectueuse. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ton véhicule Ou pourquoi tu n'es pas sous avec un autre véhicule Pourquoi c'est même utilisé la mienne Mon roi, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses parler ainsi. Ma voiture est ancienne, alors je ne peux pas me donner le stress d'entrer à l'intérieur et puis rouler. Toi, regarde juste mon état. Hein Je ne vais pas avoir ce genre de stress. Et pour d'autres voitures qui sont dans la parcelle, tu ne m'as pas dit de sortir avec des voitures qui ne sont pas utilisées pendant plusieurs moments. Et s'il arrivait que ça tombe en panne, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette condition Il serait mieux que tu penses à m'acheter une nouvelle voiture. Et un style privé. Je ne savais vraiment pas que tu étais comme ça. Tu dois être beaucoup plus prudente. Je ne savais pas que tu étais si respectueuse. Écoute, depuis quand est-ce que ça a commencé? Dis-moi, quand? Suis-je pas la femme du roi? Mmh. Fais gaffe! À bon attendeur, salut! Oh, papa! Ah, oh, princesse, comment tu vas? Oh, j'ai une journée très longue. Ah, je vais voir sur mmh. ton visage. <laughs> Ça fait pratiquement des jours que je ne t'ai pas vu. Tu te réveilles tôt pour aller au travail et tu rentres tard, hein Papa, je pensais qu'il devait être en repos. Euh, je ne pouvais pas me permettre d'aller en repos sans que je ne finisse cette tâche. Oh, ok. Combien de fois devrais-je te demander de trouver du temps pour toi-même afin que tu fasses autre chose <laughs> Tu ne peux pas passer toute ta vie en travaillant, à cherchant à gagner de l'argent. Oh, oui. Papa toi et moi savons que moi et Patrick ne sommes pas compatibles. Mmh. Mmh. Ma fille, j'apprécie vraiment le fait que tu es une grande travailleuse. Mmh. Hein? Mmh. Je n'ai jamais ressenti de remords de t'avoir laissé ma société. Surtout, tu dois trouver du temps pour faire autre chose. Okay. Donne un peu de sens à ta vie. Ne mmh. cherche pas ce que je force à m'amener un monsieur <laughs> Papa, ici. Je vais partir maintenant. Mmh, Vas-y. Ok, merci. Euh, tu avais pris ma veste que je t'avais laissée Tu es supposé de ne plus manger les sucreries. Oh, bon sang. Et qui garde les affaires dans ce cas Ma princesse, tu as demandé de me voir. C'est par rapport à ce qui se passe dans ce palais. Je ne comprends pas. Je sais que je n'ai rien à voir avec toi, bien sûr. Et je sais que tu as un peu de respect pour moi. Voilà pourquoi tu ne m'affrontes pas. Mais s'il te plaît, je n'aime pas la façon dont tu parles à ma maman. Qu'est-ce que ça t'écouterait si tu lui donnais le respect qu'elle mérite? Elle n'est pas en compétition avec toi, mais ma princesse. Je n'ai pas encore fini de parler. Nous vivions en paix dans cette maison, et comme tu en fais partie maintenant, je veux que tu fasses partie de cette paix et non de troubles, ma princesse. Beaucoup de choses qui se passent ici dans ce palais n'est toujours pas ma faute. C'est juste parce qu'on me comprend pas. Je n'ai jamais su ça. Mais je veux que toi tu puisses arranger de choses. Et quand quelqu'un ne se fait pas comprendre pratiquement par tout le monde, et on dirait qu'il y a un problème. Tu es en train de dire que je suis tellement mauvaise, c'est ce que je n'ai pas dit. Mais je n'aime pas la manière dont ma mère se plaint beaucoup. Je n'ai sérieusement pas besoin d'avoir des tiraillements avec toi. Je veux dire, comment tu peux manquer du respect à une femme qui a des enfants plus âgés que toi? et qui parle mieux que toi. Ne me tiens pas rigueur, Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de manquer du respect. Essaye okay, de changer, hein. s'il te plaît. Regarde-moi vraiment ça. Hein? Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce de ma faute que ta maman ne puisse pas donner naissance à un héritier Ou c'est parce que je porte en moi l'héritier de ce trône Elles sont toutes mes jalouses. Des jalouses, oh, des femmes jalouses. Je ne sais même pas ce qu'il arrive. Il faut juste attendre que je puisse donner naissance à ces garçons royaux. Que le grand prêtre le confirme comme celui qui a été choisi. <laughs> Mmh. Vous saurez qui sera la vraie reine de ces palais. Des jalouses jalouses. Mmh. Mets tout ça dans la voiture. D'accord. Votre Majesté. Pourquoi est-ce que tu as cette tête Je ne me sens pas bien du tout, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je pense que je devais voir un docteur, mais il n'est pas encore temps. non, j'ai encore quelques semaines qui restent. Tu as besoin de moi, Ne te dérange pas, je veux bien ok et une fois que tu seras là, demande au docteur de m'appeler si les choses tournaient mal. Ok, crois-moi, euh, ma chérie, prends soin de toi ok. Oh. As-tu vu cette photo de trouble C'est vraiment le nom qu'il faut l'appeler. <laughs> C'est vraiment une semence de trouble. <laughs> Ma chère, tu sais, cette fille est venue dans ces palais et elle a tourné tout le monde contre eux-mêmes. Tu as même de la chance parce que tu es la seule à rester. Bien fait pour elle. Si c'était moi, j'allais causer beaucoup de troubles dans ces palais. <laughs> Bien. Peut-être que lorsqu'elle serait délivrée de son enfant, elle va changer. Je manger. pars, je crois. Et alors allons. <laughs> ah, Allons-y. C'est quoi le problème? oui. tu m'a dit qu'elle ne se portait pas bien et elle s'est décidée d'aller à l'hôpital. Maintenant, docteur Ben m'a appelé et qu'elle est dans le coma. C'est vrai? Oui. Je, je dois vite me dépêcher pour l'hôpital. Je dois y aller. Merci. Tu es vraiment une reine. Hein? Que Dieu te bénisse. Merci, mon roi. Aisez-moi. Je suis ici pour m'enquérir de la situation. Et quelle est votre demande, mon roi Je sais que vous êtes au courant de l'accouchement de la nouvelle reine et elle la mise au monde d'un garçon. Je suis venu juste savoir si vous pouvez trouver une façon de découvrir si ce bébé est le successeur. C'est maintenant que j'ai compris que tu n'avais pas compris ce que je t'avais dit il y a de cela trois mois passés. Euh, mais comment ça Tout ce dont je me rappelle, c'est que tu avais dit que les dieux avaient Insister que les successeurs ne pourra venir que de ma progéniture, une, une fois, mon fils a été rejeté par les dieux. Regarde que je n'ai plus un autre fils. C'est alors que j'avais compris qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était avoir une autre femme. Et c'est ce que j'ai fait. Et la voilà, elle a maintenant un nouveau bébé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous puissiez confirmer si mon nouveau bébé sera l'héritier du trône. Tu as complètement mal interprété le message. Et c'est vraiment malheureux. Ezemo, qu'est-ce que vous dites J'avais dit que l'héritier du trône viendra d'être aligné. Cela ne veut pas dire d'aller te chercher notre femme. Mais dites-moi, d'où est-ce qu'il viendra L'héritier du trône était mis au monde plusieurs années avant la naissance de Ikenemfuna. Je ne comprends pas cette affaire. De quoi parles-tu Ce que je veux dire que le nouveau-né, ce n'est pas lui l'héritier du trône. Cherche l'héritier, il est là pendant plusieurs années. Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu sais, elle était surprise de me voir à l'hôpital lorsqu'elle était malade. Je ne sais pas si elle pensait que j'étais son ennemi ou quelque chose d'autre. Bien. Elle est dans sa chambre. Je ne sais pas vraiment. Je veux te rappeler. Je te rappelle. Allons-y, tu as l'air chaude. Je suis sûre que papa est maintenant heureux que la nouvelle reine lui a donné un garçon. Honnêtement, je ne sais pas si c'est quoi le problème peut-être qu'il est en train de penser que il doit rejeter cette femme pourquoi tu dis ça pourquoi ne pas le dire le fils de la femme qui s'est mis elle-même en position de l'ennemi aux gens qui ne lui ont rien fait de mal nous allons vraiment vivre cette méchanceté je pense que ton père est en train de regretter tous ses actes il se promène cherchant qui dévaster. Je pense que tu dois lui parler. Tu n'as pas l'air heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas oh, Je vais bien. C'est juste quelques petites confusions, mais je vais bien. La confusion La confusion est différente de l'inquiétude. Mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce que tu veux dire Mon roi. Je ne vois pas la confusion. Ce que je vois, c'est l'inquiétude. Et je me demande pourquoi est-ce que mon roi est inquiet, maintenant que son œil est là. Alors, s'il te plaît, ne, ne me dérange pas jusqu'à ce point. Bien, je sais exactement, mon roi, ce que je dois te donner. Quelque chose de chaud et bien fait. Alors, s'il te plaît, je n'ai pas faim. Ne te dérange pas en préparant de la nourriture. Je n'ai pas faim. Une fois que j'aurai besoin de quelque chose, je ne dirai qu'un seul mot pour que cela soit fait. Pourquoi est-ce que je vois comme si l'arrivée de ce petit garçon n'a pas apporté la guérison attendue Mon roi, qu'est-ce qui ne va pas Juste en regardant ton visage, ma maman, je comprends que tout ne va pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé Il a désiré être seul, comme d'habitude. <laughs> je t'avais dit qu'il ne va pas s'ouvrir. Je connais très bien ton père. C'est qu'il dérange cette histoire de l'héritier du trône. Maman, il faut que tu comprennes, papa. Et il serait mieux d'être patiente avec lui. La joie de n'importe quel roi serait de voir son fils lui succéder. Et je pense que papa a juste peur que le dieu nous mette hors de la lignée royale. Qu'est-ce que tu es en train de dire, jeune fille Je suis désolée. Les dieux ne vont pas s'en échapper. Et euh, concernant ce que tu avais dit par rapport à l'impatience, je suis patiente. Je ne suis pas seulement patiente, mais aussi compréhensive. Si je ne l'étais pas, j'allais déjà faire tomber cette maison lorsque ton père avait épousé une autre femme. Oh, je remercie mon Dieu que tu l'as pas fait, sinon maman, on serait sans abri. Euh, tu n'es pas vraiment sérieuse, Ade. <laughs> pas du tout. Je savais que tu allais toujours prendre sa part. Tel père, telle fille. Maman. Je ne soutiens pas, papa. Je ne regarde que la réalité. Un roi, si j'ai bonne connaissance, a le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut, et tous ceux-là qui vont se poser vont finir d'une très mauvaise manière, maman. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. Tu sais quoi, Daisy Je veux que tu partes dans cette cuisine et que tu donnes des instructions spécifiques sur ce que nous allons manger au dîner. Ok, j'aimerais manger quelque chose de bien. Si, Merci. Cela fera plaisir à Sa Majesté. Et je t'aime. Mon amour. <laughs> Mes salutations à mon roi. Salut. Comment tu vas Ça fait pratiquement deux jours que je ne t'ai pas vu. Comment on va mon fils Mon roi, c'est la cause qui m'amène ici. Honnêtement, nous n'allons pas bien. Je ne veux pas bien. Écoute bien, ma chère. Comme roi, j'ai beaucoup de responsabilités. Et toutes ces responsabilités me demandent du temps. Je dois les remplir chacune. Peu importe le temps que ça me prendra, je suis obligé. Mais ne t'en fais pas. Je te verrai déjà ce soir. Mon roi. Je sens comme s'il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as un problème, s'il te plaît, parle-moi. Je suis ta femme. Et je veux comprendre. Je. Regarde, confie-toi en moi. Hein? Tu m'évites ces derniers temps. Pourquoi tu peux dire une telle chose? Tu peux maintenant partir. Je veux rester seule. Ah. Maintenant. Ah. ah, mon roi, ce peuple va se moquer de moi. Il va se moquer de moi. Oh no. Oui, c'est homme qu'on appelle euh, um, Odibou. J'aurais appris que ce qu'il n'est pas capable de voir n'existe pas. Je veux le voir le plus tôt possible. Écoute, peu importe le montant, peu importe le montant. Ne t'en fais pas, je vais le lui donner. Je te fais confiance. C'est quoi le problème Tu n'as même pas remarqué ma présence. Maman, je suis troublée. Les réactions du roi envers moi et mon fils ne me plaisent pas du tout. C'est quoi avec le roi Qu'est-ce qu'il a fait Il m'évite ces derniers temps. Ma chère, arrête d'avoir des pensées négatives dans ta tête. Il est le roi. Et il a plusieurs responsabilités. Il a beaucoup de choses à gérer. Maman, tu ne comprends pas. Peut-être que mon fils n'est pas aussi celui que les dieux ont choisi. C'est vrai. Ton fils n'a pas encore l'âge. C'est ça le vrai problème. Peut-être les dieux ont déjà dit ça. Si le prince Ikemefuna a été rejeté. Cela est là clair que n'importe quel enfant de la famille royale qu'on pourrait choisir serait rejeté. Maman, la réaction du roi que j'ai pu constater m'a laissé sans espoir. Il y a juste un mois que tu viens de mettre au monde. Es-tu prête à combattre pour lui pour qu'il soit l'héritier du trône? Et si tu avais accouché un enfant femelle? Et les dieux ne sont pas mauvais. Ils m'ont donné un garçon. Je les ai priés et ils m'ont répondu. Alors laisse-le faire leur travail. Ne t'occupe pas de leurs affaires. Oh maman, pardonne dis pas ça, s'il te plaît. Tu ne comprends pas du tout. <laughs> Ma fille, si ton fils est destiné à être le roi, rien dans ce monde ne pourra les stopper. Alors arrête de dépêcher les dieux. C'est bon. Je te compris. Merci. Maintenant, je peux rester seule. Tu dois être contente d'avoir épousé un grand roi de nos jours. N'ose pas faire quelque chose qui va affecter ta future. N'ose pas le faire. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, les jeunes hommes. Je. Je crois que je n'ai jamais vu avant ces faces. Euh... Je suis sûr que c'est ici la maison du Onohu du royaume de Akalugu. Ce n'est pas seulement la maison, mais je suis Onohu de ce royaume. Euh, nous sommes venus en paix, ok. Et, et vous êtes reçus euh, en paix. Euh, euh, je suis M. Chiké, et lui, c'est mon ami et collègue, Ikena. Ok, ça c'est bien. Alors, comment puis-je vous aider? Et, euh, nous, nous, nous sommes venus pour un projet. Et nous avions été orientés pour venir vous voir. Quel genre de projet, s'il vous plaît? Euh, monsieur, euh, c'est une affaire qui concerne notamment euh, la terre. Euh, oui. Et nous oh. devons nous asseoir pour parler un tout petit peu. La terre, c'est ça? Oui, monsieur. OK. Entrez. Ok, oui, vas-y. Entrez. Y. Entrez, euh, soyez à l'aise. Merci, monsieur. Euh, vous dites que vous avez le projet de la terre. S'il vous plaît, prenez place. Prenez place. Euh, vous avez une très belle maison. Je suis prêt pour vous écouter. Ok. Merci énormément pour nous avoir accordé la continuité de cette histoire. Euh, en effet, nous sommes venus pour euh, parler d'un projet. Mm -hmm. Et ce projet particulier est un projet dont je suis très très sûr et dont je peux me taper la poitrine. Et ça sera positivement bénéfique pour ce royaume. Et même pour les générations à venir. Bien. Et euh, nous sommes au total sept ingénieurs. Et en fait, nous voulons construire une extension, une très grosse extension pour notre compagnie. Et euh, la terre qu'on qu nous a montrée, nous avons des possibilités. Et celle qui est encore plus, plus, plus meilleure, se retrouve dans cette communauté. Et c'est pourquoi nous avions été recommandés auprès de vous. Hmm. Ingénieur civil. Euh, oui, monsieur. J'aime ça. Particulièrement, j'aime être un ingénieur civil comme vous. Ça, c'est une euh, aventure. C'est une anecdote pour vous faire rire. Ah, oui. Où se localise exactement cette terre? Euh, oui, monsieur, c'est juste, le... juste le terrain qui est à côté du marché. Oui, exactement. Je connais la terre. Ok, quelle est? Exactement l'affaire que vous voulez faire sur cette terre. Euh, euh, hum, le, le patron du projet n'est pas ici avec nous. Et en tant que délégation, nous, nous sommes parmi les sept ingénieurs. Et notre compagnie a décroché un contrat pour un projet comme celui-ci. Nous avons inspecté les terrains et il est vraiment convenable pour ce genre de projet. Mmh. Et l'entreprise dont nous parlons ici est dans la production industrielle. Et je pense vraiment que ça ira de pair avec l'idée de pouvoir créer de l'emploi pour la jeunesse du moment où vous aurez accepté que cela se fasse ici, dans notre communauté. Oui, c'est mmh. vrai, exactement. Je suis ravi. Je suis ravi. Merci, messieurs. C'est une bonne chose quand vous vous rappelez de notre royaume avec tel Roger merveilleux. Euh, Laissez-moi vous dire que je ne suis pas le honneur de ces royaumes d'akanugo et la terre dont vous parlez est c'est presque un hectare mais ici euh, dans les royaumes d'akanugo quand il y a nécessité de donner la terre pour le développement les rois et les responsables euh, excusez-moi messieurs euh, je je veux vous demander une faveur euh, je ne sais pas mais je pense que vous avez quand même, euh, vous pouvez jouer un très grand rôle dans la, dans cette communauté. Et je pense que vous êtes en meilleure position pour pouvoir aller expliquer au roi, afin qu'il mmh, puisse au moins nous apporter une petite oreille. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais ce que je vais vous faire comprendre est que je me suis impliqué parce que je vous ai entendu dire d'acheter la terre. Alors, comme c'est euh, la terre pour le développement, vous cherchez la bonne terre que l'on peut vous donner pour le développement. Vous devez vous rencontrer avec le roi. Et puis, euh, il est le mieux placé pour comprendre les affaires de plus que moi-même. Euh, Dependant de du pouvoir de votre présentation, je vais dire la façon dont vous allez lui dire quand vous allez vous rencontrer, il va beaucoup aimer investir dans les affaires parce que c'est le développement. Il aime ça. Oh, ok. Oui, ok. C'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur, c'est vraiment... Merci beaucoup, monsieur, nous avons apprécié. Ne vous en faites pas, parce que je compte me déplacer quelque part dans 30 minutes. Je vais dire, si je n'avais pas un programme d'aller quelque part, j'allais être volontaire. Vous amenez de moi-même oh, au non, palais. Oh non, non, monsieur, ce n'est pas important. <laughs> Évidemment, je connais toutes choses, j'ai connais les rois. Il finira de venir et je... j'ai certaines choses à lui dire. Okay. Je vais lui dire à propos de vous. Okay. Et je vous, vous assure vous, que. Vous les faites déjà très mieux. bien. Euh, <laughs> euh, merci, monsieur. Euh, 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 Excusez-nous, monsieur. Nous sommes supposés de venir avec euh, une très bonne boisson ou bien quelque Pas chose. Pas de problème, qui... je sais. À la prochaine. Ça, vous dites que la prochaine. Mais maintenant, là, asseyez-vous. Je vais vous trouver quelque chose que vous pouvez prendre. <laughs> merci, merci beaucoup, monsieur. <laughs> merci. <rire> merci beaucoup. <laughs> Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une conspiration contre moi dans ces palais. Je mmh. n'ai aucune idée à ce sujet, ma reine. Mmh. Euh, Est-ce je peux te faire confiance Ma reine, je sais que ce que vous voulez que je puisse faire, c'est d'être contre la royauté. Mais bon, vous pouvez quand même... me Oh, boucle-moi cette saleté des bouches. Qui te demande d'être contre la royauté je ne fais pas partie de cette royauté Hein C'est possible que vous le soyez. Mais votre position ne nous a jamais été communiquée. Le roi et la reine, ce sont eux la tête du royaume. C'est à eux de donner des ordres qui sont irrévocables. Tu peux... Ah! Regarde-moi cette fille Sors de ma voiture J'ai dit... Désa... Descends, une fille stupide. Peux-tu imaginer? T'as pas de respect pour moi. Hey. D'accord, jeune gens, j'ai vraiment entendu ce que vous venez de dire. Je suis vraiment impressionné. Euh, Laissez-moi vos coordonnées. Je vais discuter avec les membres de mon cabinet et je vous reviendrai. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Votre Majesté. Nous avons aimé. D'accord, c'est bien. Euh, vous devez aussi comprendre que ce n'est pas ma propriété personnelle. <laughs> c'est une propriété appartenant à la communauté. Euh, comme vous avez déjà parlé avec Onoou, euh, je pense qu'il serait mieux de discuter avec les autres membres du cabinet. Et je vous reviendrai, comme je vous ai dit. Mais je dois vous assurer que c'est un très bon projet. Du moment où c'est un projet vraiment dans le cadre du développement, euh, ça va aussi bénéficier à mon peuple. Exactement, <laughs> exactement. Euh, merci énormément, Sa Majesté. Euh, merci pour l'audience. Nous avons vraiment apprécié. Je vous en prie. J'ai reçu les gens que tu m'avais envoyés. C'est bien. J'ai leur ai aussi demandé de venir avec tous les documents nécessaires. Ce <laughs> terrain est vraiment propice au développement. Et du moment où leur projet est relatif à celui-là, alors il n'y a pas de problème. Vous voyez pourquoi j'ai toujours insisté. Que le peuple doit se trouver un bon homme pour le faire, les rois. Je le savais. Je le savais que mon roi ne refuserait jamais ce genre de développement. Vraiment, vous êtes un bon homme. Notre roi. Ne me flattez pas. Ono. je veux voir Otsiakwe le célèbre voyant. Oui. Du moment où je commençais à le chercher, il semble que personne ne sait où il habite. Oka Igwe, Anon Onyese, cet homme est devenu comme un papillon dans notre royaume. Il n'a pas une place fixe. Pourquoi vous le cherchez J'ai appris beaucoup de choses lui concernant. Voilà pourquoi je veux le voir. Bien, je sais là où je peux le trouver. Très proche de la rivière entre Umoba et Umweke. Votre Majesté, cet homme ne peut pas abandonner sa terre. C'est impossible. Je suis prêt à payer pour le voir ici. Votre Majesté, au cas Igwe, en Il n'est pas cet homme que Monica peut aller prendre. Il est vraiment têtu. Il ne viendra pas. toute chose en prie. Euh, Joe, mon téléphone. Euh, As-tu déjà entendu parler de Umoba? Oui, Majesté. Tu le connais bien Oui, Majesté. Euh, écoute, au cas où tu ne vas pas bien te retrouver, renseigne-toi. Après, tu me reviendras. Mmh, je le connais très bien, mon roi. Il habite dans les environs. Je le connais bien. Oui. Vraiment Oui, Majesté. Euh, alors, dans ce cas, prépare-toi. Nous irons dans deux jours. D'accord, Majesté. D'accord. Euh, très important. Je ne veux pas apprendre que tu as dit ça à quelqu'un. Ok Je ne voudrais pas que quelqu'un sache ça. D'accord. Mmh. Ah, c'est bon, majesté. Croyez-en moi. Personne ne sera au courant de cela. Vous savez que je suis votre chauffeur particulier. Ouais. Juste de la manière dont tu as caché ta tête, que je ne voudrais que rien ne puisse filtrer. Ouais. D'accord, tu peux maintenant partir. Merci, majesté. Ma fille, tu n'es pas du tout du bon humeur. Je vais dire, c'est quoi ton problème Où est ton fils Oncle, c'est ma mère et les palais. Rien ne va du tout. Tout ne va pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Le roi n'est pas heureux. Et en m'imaginant ça, quelque chose à voir avec l'héritier du trône. C'est évident que c'est mon fils qui sera son héritier. Euh, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle le roi avait pris une seconde femme. C'est à cause de cet enfant. Personne ne me dit rien à ce sujet. Alors je fais des efforts pour trouver la réponse toute seule. Tu cherches toi-même la réponse dont tu as besoin. Que cela veut dire et tu as fait quoi? J'avais visité Ezemo. Je sais que je ne suis pas censée d'être ici. Mais mon problème est vraiment délicat. Ça dérange tout le monde dans le palais. Et même le roi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon fils est-il l'enfant choisi? C'est lui l'héritier du trône que les dieux attendaient pour approuver? Ton fils sera grand. Grand de plus que son père, le roi. <laughs> Merci. Mais il n'a pas affaire avec le trône. L'héritier du trône sera choisi par les dieux et nous attendons leur décision. Et ils l'ont toujours fait à leur manière. C'est vrai. Les dieux sont sages et il faut suivre leurs décisions. Sinon, nous allons bouleverser les choses. Oncle. Il était vraiment sérieux. Je reviens juste de là, mais je n'étais pas vraiment dans mon assiette. Très surpris que le grand prêtre ne pouvait même pas parler à la femme d'une manière claire au problème qui ne concerne pas la femme. Pourquoi ça doit être mon sort Pourquoi Je suis vraiment désolé de toi, ado. Pourquoi tu étais allé en premier lieu à Isémo pour faire cette demande Ce n'est pas à toi de faire une telle demande. Un oncle, je suis vraiment désemparé. Je voulais savoir. Dieu ah, mon oncle, s'il te plaît, comprends-moi. Je te comprends. Mais juste, je t'ai dit que tu l'as fait vraiment tôt. Écoutez, les dieux sont sages, ils n'ont jamais fait d'erreur et ils ne le feront jamais. Nous tous, nous pensons que... C'est ton fils qui serait euh, l'héritier du trône. Mais nous avons vu comment ça tournait, que ce n'est pas lui que les dieux veulent. Tu devrais le prendre ainsi et nous euh, tuer et perdre le mariage. Ok. Oncle, je sais, mais. Écoute, tu n'as pas besoin, je t'ai déjà dit. Il n'y a rien de mal avec ton mariage. Oui, le roi est démoralisé comme tu l'es aussi. Il cherche à se débarrasser de cela. Ok Alors, laisse toute chose comme telle. Ok je Suis juste dérangé. J'espérais que mon fils allait être l'héritier du trône. On avait tous l'espoir. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui pourrait se passer. Les dieux ont un autre plan. C'est qu'ils demeurent cachés. Écoute, Ezemo te l'a déjà dit. Que ton fils sera grand, même plus que son père. Tu peux te consoler toi-même avec cette assurance, mais pas te permettre de te démoraliser toi-même avec autre chose. Merci. Je sais bien que cela ne me concerne pas. Mais en tant que reine de ce royaume, je peux aussi dire un mot. Ce garçon, ton enfant qui est héritier du trône, il n'est pas bien allaité. Et je ne suis pas contente avec ça. Parce qu'il peut grandir et être un roi moins intelligent. D'où est-ce que c'est la sort Ta nouvelle femme, elle n'est jamais dans ce palais. Elle est tout le temps partie. Laissons l'enfant avec sa mère qui force de nourrir cet enfant avec le lait de vache. Ce n'est pas acceptable, mon roi. Tu dois parler à propos. Mmh, mmh. C'est vraiment sérieux. Alors crois-moi. Je vais surveiller cela. chercher dans tout le palais. Où étais-tu Maman s'il te plaît, j'ai beaucoup dans ma tête maintenant. Alors laisse-moi tranquille. Avant que tu ne tues pour rien, s'il te plaît. Rappelle-toi e que tu as un fils qui a besoin de toi. Et il est la raison pour laquelle je suis en train de faire tout ça. Je veux que mon fils soit heureux dans sa vie. Hmm. Tu ne comprends pas ça. <laughs> tu veux que ton fils soit heureux dans la vie Oui. Réalises-tu que ton fils a besoin de toi à ses côtés pour l'allaiter? Il y a longtemps que tu ne le fais pas. Et ce n'est pas bien pour lui. Maman, mon fils a toujours eu son lait, alors donne-le-lui. Je veux dire qu'il n'aura pas de problème si je suis tout le temps sortie à cause de lui. Je veux aider mon fils. Excuse-moi, maman. Elle était même bien lorsqu'elle n'était pas encore mariée. Mais dites-moi, où est le gain Où est le gain pour avoir épousé le roi J'ai beaucoup appris sur vous, Okati le Grand. Et je dois vous dire que je suis heureux de vous rencontrer. Le sage dit que quand un crapaud saute pendant la journée, c'est soit pour chercher de quoi manger, soit il est poursuivi pour être transformé en repas. Mon cœur est profondément troublé. Aisez Boubé, le grand roi du royaume d'Akaloubo, Soyez le bienvenu chez moi. Peu importe la grandeur d'un problème, il y a toujours une solution. Ton cœur est troublé à cause de ton incapacité de trouver l'héritier au trône. Vraiment, Tiboué, c'est pour ça que je suis ici. Et tu es même allé plus loin jusqu'à prendre une deuxième femme. Juste dans la finalité de te donner un héritier au trône. Mais l'héritier au trône est déjà né il y a beaucoup d'années passées. Ah. Euh, euh. Ça, c'est exactement ce que le prêtre m'avait dit. Mais je suis en train de me demander, comment est-ce que cela doit se faire Ezeboubé. Boubé, une jeune femme était venue auprès de vous trouver de l'aide il y a quelques années passées. Et tu avais profité d'elle. Et elle était tombée enceinte pendant ce processus. Et tu n'as plus soin d'elle. Tu l'avais même rejetée avec la grossesse. Peux-tu te rappeler? Euh, ne serait-ce pas. Ne serait-ce pas. Euh, Cette servante. Euh, C'est quoi son nom? Euh, il faut ma, il faut Je suis venu pour vous aider. Je ne m'attendais pas à ça, mon roi. Ça ne doit pas te déranger, faire l'amour avec le roi. Prends cet argent. Ça t'aidera avec tes problèmes. Sois une bonne femme. N'ose jamais le dire à quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça avant. Alors, tu es chanceuse de l'avoir commencé avec le roi. Tu dois être heureuse. Oh, je ne peux pas croire que vous avez pris l'avantage sur une fille qui était venue pour vous aider. Il ne faut pas rémuner cela. Tu es une belle fille. J'avais aimé ce que tu m'avais donné. Je n'avais rien donné. Tu m'avais intimidé pour prendre ce que tu voulais. J'aime ça. Ça devrait être. Une jeune servante. Euh, son nom est Ifoma. Non, non, honnêtement, Sa Majesté. Vous aviez été méchant envers cette jeune fille. Tu vois, les gens en position d'autorité ne doivent pas chercher à voir le dessus sur les gens qui sont faibles comme ils le font. Grand maître, honnêtement, je suis vraiment surpris maintenant. Euh, J'ai vraiment honte de moi-même. Cette jeune demoiselle avait vraiment besoin de l'aide. Elle était venue vers moi. Je ne sais pas vraiment ce qui m'avait pris. Pour lui ôter sa virginité. Et elle vous avait suivi sans qu'elle puisse résister. Oui. Elle vous avait donné ce que vous voulez parce qu'elle manquait de la volonté de refuser au roi. Elle était même revenue après quelques semaines. Et elle, elle avait même dit qu'elle était enceinte. Vous avez raison, grand maître. Tel que je vous ai dit, je sais pas ce qu'il m'avait pris. J'étais vraiment monté quand il m'avait dit cette nouvelle et que je lui avais demandé de sauter de ma vue. Tu sais, je n'avais aucun sentiment pour elle. C'était juste quelque chose que je voulais faire, juste pour le plaisir de faire. Honnêtement, je. Je sais très bien que. J'ai très mal agi. Mais. Je pensais que c'était à cause de son âge, que c'était ce genre de filles qui sortent avec les hommes pour de l'argent seulement. Tu dois maintenant aller chercher cette jeune dame. Elle détient la solution à tes problèmes. L'héritier au trône que tu recherches aujourd'hui est celui que tu as rejeté il y a plusieurs années. S'il te plaît, te... j'ai vraiment besoin de ton aide au cas qu'il est grand. S'il te plaît, je ne sais rien à propos de cette fille, je ne sais rien. Je ne sais même pas où elle habite. Qu'est-ce qui est arrivé à sa famille Je ne sais absolument rien, aide-moi. Aide-moi. Oui. Vous avez bien vu comment ça m'a pris beaucoup de temps pour me rappeler de son nom. Je ne pouvais pas m'en rappeler. Va auprès de ton prêtre. L'œil de Dieu, c'est lui qui va t'orienter sur quel sacrifice tu dois offrir aux dieux. Et après les dieux, ils vont t'orienter à la solution à tous tes problèmes. Et c'est parce que les dieux sont sages que les hommes ne connaissent pas tout. Et qu'est-ce que tu cherches ici Mon identité n'est pas du tout un problème. Le problème est que pourquoi es-tu toujours en possession de la propriété qui appartient au palais du royaume d'Akalugo Je n'ai rien à faire avec ce royaume d'Akalugo. Comment puis-je avoir ce qui leur appartient tu ne peux pas avoir une affaire avec eux. Mais tu es de là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment serais-je de là? Emmène la princesse chez son père. Et le temps de le faire, c'est maintenant. Encore ce même rêve. Ça fait des années que je fais le même rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Comment puis-je retourner voir cet homme méchant Ma fille est mieux de là où elle est. Je ne peux pas la ramener. J'ai un homme qui abuse de moi. Il va sûrement l'utiliser aussi. toi tu commences à venir dans la vie réelle pourquoi me tourmentes tu il y aura le temps où toutes les options seront tirées dans un livre je ne veux pas qu'on y arrive là maman Quoi les problèmes? Pourquoi t'es soufflé comme ça, maman? Je comprends pas ce, que qu -ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu allais à la banque régler quelque chose dans ton compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, parle-moi. Tu es très étrange. Il faut que je me repose, ma fille. Il faut qu'on parle. Ah je j'ai déjà décaissé l'argent pour le sacrifice. Est-ce que ça va amener les dieux vers moi Je peux te le confirmer autoritairement que les dieux ont besoin de toi. Tu dois seulement regarder les mouvements des dieux. Sois calme. Comment devrais-je me calmer, Isemo Ça fait un moment que je l'attends. Je suis en train d'attendre les coordonnées m'amenant vers la dame. Ou il faudrait encore plus de sacrifices je veux résoudre ce problème. Les dieux agissent autrement. Et leurs réactions ne sont pas comme pour nous les humains. C'est ça le cas dans ces développements. Et j'insiste, vous devez vous calmer. Je t'avais menti au sujet de ta paternité. What? Maman? Je l'ai fait à cause de la situation que je traversais. Il faut que tu me pardonnes. Attends. Maman, je ne te comprends pas. Tu as dit que mon père est mort avant que je naisse et la famille nous avait rejetés. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça, c'est un mensonge. Ton père est toujours en vie. C'est un Ezebubé. Le roi du royaume d'Akaloubé. Quoi? Maman! Je l'ai hais. Parce qu'il a biseux de moi en tant que roi. Quand j'avais perdu mes parents, mes oncles étaient devenus indifférents envers moi. J'étais partie chercher de l'aide chez lui. Le roi avait pris avantage sur moi en connaissant ma situation. J'étais déshonorée, mais il m'avait aidé. Quand je lui avais informé que j'étais devenue enceinte à cause de ce qu'il m'avait fait, je me suis retournée chez lui et je savais que le roi n'allait pas m'épouser. Parce que je te pauvre. Mais pour moi, je m'attendais à ce qu'ils puisse trouver une solution favorable pour moi. Le roi m'avait chassé. Et il m'avait traité d'une lâche. Je savais ce qui allait m'arriver. Si je disais aux gens ce qui m'est arrivé, j'avais perdu tout espoir. Voilà pourquoi je partie parti loin de notre royaume. Pour t'avoir. Ce n'était pas bien, maman. Tu devais dire à quelqu'un. J'étais une pauvre villageoise qui était victime du pouvoir du monde. Je n'avais où l'accuser. Personne ne pouvait me croire. On pouvait même me tuer pour que je me taise à jamais parce qu'il avait le pouvoir et l'argent. Maman, après ma naissance, tu devais lui dire la vérité. Après ta naissance, je me suis dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir parce que il ne méritait pas de savoir. Mais non, dis-moi pourquoi tu me le dis maintenant? Tu trouves pas que c'est tard? Tu trouves pas? Non. Ce n'est pas le cas. Ça fait un bon bout de temps. Que je fais de rêves étranges. Je sais que ça fait 20 ans maintenant. Euh... Je <laughs> crois que ton père le sait très bien. Pour l'erreur commise dans le passé. Je mal, je mal. Non, parce que tu m'as pas laissé voir mon père pendant plus de vingt bonnes années. Mais je mal parce que tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu t'es contenté de garder ça pour toi-même. Non, maman. Tu es mon meilleur ami. Tu devais me dire la vérité. Je suis vraiment désolée, ma fille. Honnêtement, je le suis. Avec ta permission, il faut que je te ramène au palais. Bonjour, votre majesté. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, mon roi. Votre Majesté, il y a une femme qui veut vous voir. C'est une dame, une jeune dame. Est-ce que j'avais rendez-vous avec elle? Non, Votre Majesté. Elle a juste dit qu'elle a un sujet important à discuter avec vous et vous en serez vraiment ravi. Vraiment? Mm -hmm. Ok, laissez-la entrer. Ok, Majesté. Bonjour Votre Majesté. Bonjour. C'est bien toi, Ifoma. Oui, Votre Majesté. C'est bien moi, Ifoma. Que les yeux soient loués. Ok, Majesté. Je suis vraiment heureux que vous ayez répondu à mon invitation. Voici la femme dont nous avons toujours parlé. Elle est venue ici ce matin, accompagnée de cette jeune dame. Et elle me l'a présentée comme ma fille. Et quand je l'ai vue, je suis revenu à la vie. Euh, je me suis finalement dit que les dieux ont exaucé ma prière. Sa Majesté, une femme ne peut-elle pas être roi dans ta terre Ça, c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai appelé. Parce que présentement, je suis vraiment confus. Les mêmes dieux qui l'ont fait déplacer et l'ont emmené ici peuvent le faire rappeler les circonstances, le rappelant de la naissance de cette jeune fille. C'est là que se trouve la solution à ton problème. Quand le roi m'a rejeté, je suis parti au village de Nebori. Quand une infirmière appelée Margaret a pris soin de moi, jusqu'à ce que je mette au monde. L'histoire n'est pas exactement ce que tu penses. Pourquoi es-tu en train de l'attrister? Pourquoi est-ce que tu t'es mis dans ce genre de stress? Je t'ai dit que je suis une infirmière. Je vais prendre soin de toi. Je l'ai déjà dit, je veux le faire. Je pense de la façon dont cet enfant va vivre. Je voulais dire, je n'ai rien. Et je ne peux pas rentrer au village d'Akanubo. Ah! Je te comprends. Parfaitement bien. Surtout le fait où le responsable de cette chose est un roi. Écoute, on doit faire beaucoup attention. Exactement. Exactement. Il pensait que je l'avais planifié pour lui soutirer de l'argent. Or, c'est lui qui avait eu l'avantage sur moi. Ma chère. Le conseil que je peux te donner est que lorsque tu vas accoucher, tu iras vers lui pour lui dire, lui expliquer que toutefois tu peux même accepter de faire le test d'ADN pour les mettre au clair. Non, je ne peux pas. Il est vraiment méchant. Écoute, j'ai juste besoin d'avoir mon bébé et trouver quoi faire pour que je prenne soin de mon enfant et de moi-même. Voilà. <laughs> Ce n'est pas facile comme tu les penses. Trouver du travail dans cette ville n'est pas une chose facile. Surtout pour une mère qui a un nouveau-né. Ah, C'est très difficile. Ce n'est pas du tout un problème. Je ne veux pas que tu puisses te stresser. Dans cette condition, tu n'as pas à beaucoup réfléchir. Tu risques de te faire du mal. S'il te plaît, sois vraiment calme. Tu dois être calme. Merci beaucoup. Vraiment, je te remercie. Je ne sais pas ce que j'allais devenir sans toi. Je te suis vraiment rédévable. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est rien du tout. Nous avons tous besoin de l'aide dans cette vie. C'est ça. Ah! Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a hein? Je ne me sens pas. De de bien? pas? Ah. Ok, ok, je comprends alors. Il est temps maintenant. Je okay. te comprends. Maîtrise-toi. Tu, 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 tu dois te maîtriser, ok Tu dois okay. être forte pour toi et les bébés, ok, okay. Mm. Ah. C'est ce que je vais faire. Écoute-moi. Tout d'abord, calme. Va. Ok, doucement. Ok, ah. euh, respire ah. par la bouche. Vas-y. Ah. Uh, okay, Oh. Ah! Ah! Oh. Ooh. Ah. Oh. Et quand tu t'étais réveillé, tu avais à peine trouvé une jeune fille à côté de toi. Exactement. Quand je m'étais réveillé, je ne l'avais pas revue. J'avais fait un effort de prendre soin du bébé moi-même. J'avais eu à faire recours aux voisins qui m'avaient aidé. Quelques jours après. Le corps de Margaret a été retrouvé dans la forêt. Quelques voisins m'avaient aidé jusqu'à ce que j'étais capable de trouver un travail pour prendre soin de moi et de mon bébé. pas avec cet idiot. Hein Écoute-moi, Si tu ne veux pas que je te dise quelque chose que tu vas regretter, alors quitte devant moi. Je suis désolé, ma reine. C'est un ordre venant du roi. Vous ne pouvez pas aller voir maintenant parce qu'il est occupé avec des invités. Venez après. Hey! Écoutez-moi parler, cet idiot. Ya, yeah. donc tu m'interdis de... Quitte, là, tu es en train de divaguer. Quitte, là. Je suis désolé. Faites ceci pour moi, s'il vous plaît. Hein tu veux me dire que tu es intelligent Je ne veux pas te blâmer. Ah, Je ne te blâme pas. Ce n'est pas un problème. Je veux m'assurer que tu quittes ce palais. Et hey, où Imbécile. Démon. Attends, tu verras. La femme que tu pensais être une aide pour toi n'était qu'une démon de destruction. Et c'est pourquoi elle de façon mystérieuse. Elle avait fui avec le prince. Et t'avais laissé juste avec la princesse. Hmm. Je ne peux pas m'imaginer que Margaret était si méchante. Euh, J'ai vraiment besoin de tuer ces monstres pour une deuxième fois. Avec tout le respect, papa. Tu lui as donné l'accès de détruire la destinée de mon frère. Dis-moi, où sommes-nous supposés aller le chercher? Où? Hmm. Assangez, je comprends ton intervention, mais je te demanderai de voir Dieu dans toutes ces choses. Les dieux ont une raison qui les pousse à faire tout ce qu'ils ont fait. Sa Majesté. Qu'est-ce qu'on fera maintenant Rien. Mmh? Rien, Sa Majesté. Essaie juste d'être un peu plus patient. Les dieux n'ont pas encore fini. Ils ont créé une occasion pour la révélation d'aujourd'hui. Ils créeront encore une occasion pour que le prince puisse revenir. Mmh. Mmh. Sois un peu plus patient. Je mmh, suis vraiment désolé, ma chère. Désolé. Oh, J'ai vraiment honte de te regarder maintenant. Après tout ce par quoi tu y es passé. Mmh, si ce n'était pas à cause de moi, mon fils ne se serait jamais perdu. Je ne sais quoi vous dire. Votre majesté. Le problème ici, c'est mon fils. Le garçon dont j'ignorais l'existence. Euh, euh, ne t'en fais pas, ma chère. C'est bien. Le prêtre nous a déjà dit que... Euh, par les dieux, le prince finira par revenir. Hmm. C'est trop pour moi. Je sais. Euh, euh, viens, viens. C'est bien. Mmh. Sûr. Mmh. Mmh. Je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé, ma reine. Mais pratiquement tout le monde au palais a commencé à avoir peur d'elle. Et indépendamment, ils ont décidé de l'éviter. Oui, Chika. C'est la raison pour laquelle j'étais appelée. J'aimerais que tu saches qu'elle est la reine. La femme du roi qui est capable de produire un prince. Alors vous tous, vous lui devez le respect, OK Rien, ma reine, mais c'est elle qui ne respecte pas les gens. Comme je venais à peine de le dire, elle est une reine, la femme du roi, et tu ne l'es pas. J'aimerais que tu les mettes toujours en tête. Tu parais très bien aujourd'hui. <laughs> Salut à toi, ma reine. Salut à toi aussi. Tu Sais-tu ce qui s'est passé ici hier dans le palais? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme et une jeune fille, y compris un sage, sont venus rendre visite à notre mari le roi. Ah, je leur avais vu. Ah! Je voulais entrer en l'intérieur, mais on a refusé que j'entre. C'est toujours normal que lorsque le roi a de la visite, tu ne peux pas entrer. Peut-être que tu dois la prendre du roi. Ah non, je ne pense pas. <laughs> ma reine, de toutes les façons, je vais te laisser te réjouir de cette belle journée au moment où je serai dans ma chambre. Si par ça tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. <laughs> Et non quoi? Et non quoi, tu aimais? Ça veut dire qu'elle a changé? Ça, c'est intéressant. Tu aimais Respectueuse Hein Biko, ça m'étonne ça. Je dois parler aux cuisinières de faire attention avec ma nourriture. J'aimerais te parler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Adezé. Tu dois parler à ton père. Je veux dire, depuis que cet héritier du trône est venu au monde, nous n'avons plus la paix ou la joie dans ce palais. Maman, tu connais bien papa, n'est-ce pas? Tu les connais parfaitement. Il y a une femme qui était venue ici hier avec une jeune fille. Elles sont restées ici jusqu'aux heures tardives. Elles ont quitté ici très très tard. Je ne te dirai pas ce qui s'était passé. Euh, le garde avait refusé que j'entre. D'après tout, je suis la femme de ton père. Maman, c'est juste ça. <laughs> tu connais bien ton mari. Il fait la même chose avec pratiquement tout le monde. Mm -mm. Ça, c'est très différent. Comment différent? J'ai pression comme si ton père veut épouser une troisième fille à cause de la déception. Euh. Maman, je suis occupée pour ça. Honnêtement, Ma, ce que je veux faire, c'est ça. Je vais essayer un peu de lui parler savoir ce qui ne va pas mais je sais qu'il y a quelque chose qui exactement. ne va pas exactement s'il te plaît fais-lui comprendre ça je le ferai et nous allons nous asseoir en famille et en parler merci OK maman je t'aime tu sais je t'aime plus je peux partir maintenant bien sûr OK Ouh. Restez là, si c'est ce qui te plaît. Hein? Je t'attendais pour savoir si on peut avoir une conversation franche. Une conversation avec moi Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me veux N'es-tu pas supposé être près de ton papa Oh, maman. Il a supplié pour qu'on le pardonne. Alors je le Mais pardonne. Mais je lui ai aussi pardonné. Que veux-tu que je fasse encore Il a besoin de toi au palais. Il veut que tu fasses partie de la famille royale. Pourquoi résistes-tu, mmh. maman je ne résiste à rien. Mais je dois quand même prendre mon temps. On parle ici du palais. Il faut vivre comme une princesse. Et cette fille qui gère tout le business de son père, je veux dire, tu penses qu'elle sera contente de voir une sœur qui sort je ne sais où Tu crois disait cette princesse n'est pas ton problème. C'est pour le roi que nous nous inquiétons. Maman je n'ai jamais vécu dans la royauté toute ma vie. Mais j'ai quand même beaucoup lu sur la royauté. Je sais ce que c'est être une princesse. Tout sur la royauté est connecté à une autre chose. Je veux dire, Ezebo est mon père. Ça, je le sais et j'en suis consciente. Mais je peux pas juste me lever comme ça et aller au palais. Je dois prendre mon temps. J'en ai besoin. Je te supplie. Ne me parle plus de ça, s'il te plaît. À -Dizé. Elle est têtue comme son père. Comment je vais faire ça? disait. Je sais ce que tu veux dire. <laughs> je sais. <laughs> euh, je te rappelle plus tard. Ma mère est là. Bye bye. Maman, je comment? crois que jusqu'à maintenant tu devais vivre dans le palais avec ton père. Ah Maman, ne recommence pas. J'avais déjà fini avec ça. Tu fais semblant comme si tu étais fatiguée de moi. Ça, c'est ce que je peux pas. Je ne fais que ce qui est juste. Maman, le mieux que tu puisses faire, c'est de pouvoir chercher où se trouve mon frère. Tu penses pas que tu dois inclure la police Comment je peux inclure la police quand je n'ai aucune information sur lui Mais maman, tu peux pas aussi rester là sans pour autant rien faire Je veux dire, tu le connaissais pas avant, mais maintenant que tu sais qu'il existe, tu dois juste euh, aller à sa recherche. Il faut le chercher. Je pense que je dois laisser au dieu leur travail. C'est ça. Mmh, le dieu. Chérie, c'est qui dans notre maison? S'il te plaît, qui es-tu? Et comment es-tu entré ici? Pourquoi avez-vous refusé tous les deux d'écouter mes instructions? La propriété que vous gardez appartient au palais du royaume d'Akugo. Mais de quoi parlez-vous? Quelle propriété? L'enfant que vous avez abandonné de cela 28 ans passé appartient au palais du royaume d'Akalugo. Et il est temps pour lui d'occuper sa position. Parce que c'est lui le choisi des dieux. Emmenez-le dans son royaume. Vous avez fait un bon job, mais ne le ruinez pas avec votre tétutesse. Je peux tolérer plusieurs choses, mais la tétutesse, je ne peux pas. Rappelle pas d'avoir acheté une chose pareille. Ça c'est parce que ici n'est pas ta place. Les gens achèteront pour toi. Et ils ont acheté ça. Et ils cherchent une tête sur laquelle la poser. Et la tête n'est pas encore prête. Qui es-tu Mais comment, comment, euh, euh, de quoi parles-tu hein? C'est toi qui as mis cette chose ici. J'ai toléré beaucoup de choses, surtout provenant de ceux qui ne me connaissent pas. La tétutesse n'est pas parmi ces choses. Tu es le choisi. De quoi parles-tu ah! Mais je suis sûr que cette femme n'est pas humaine. Pour ça, si seulement nous devons vraiment l'écouter, cela nous vaut la vérité Iken. Comment est-ce qu'il est venu dans nos vies C'est ce que tu veux Non, non. N'est-il pas clair que tout ceci devient complexe jour après jour Oui, Iken est venu dans nos vies et il est devenu une bénédiction. Dieu, et grâce à lui, nous a même donné deux belles filles, oui. Mais, 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 mais tu sais, nous l'avons volé et nous l'avons rendu notre fils adoptif. Ne penses-tu pas que c'est déjà assez? Je sais, je sais. Mais nous avons besoin d'un fils. Et ce fils-là, c'est Ikena dont nous avons besoin. Tu es en train de dire que tu vas accepter qu'il ne parte seulement comme ça après que nous l'ayons éduqué? Nous l'avons instruit de sorte qu'il devienne prospère et un jeune homme autonome? C'est ce que tu dis Chérie Chérie, je ne veux pas que nous puissions nous chamailler. Mais partons de ce qui vient d'arriver. Qui est cette femme À quoi servait cette couronne et qui est ce peuple qui est en train d'attendre le succession au trône pour porter la couronne? Rappelle-toi que je l'ai ramassé. Il a été abandonné par sa mère qui était morte. Comment Comment pourrais-tu accepter qu'une femme mystérieuse vienne te dire que celui que nous vivons avec lui est un prince Est-ce qu'un prince peut être abandonné Chérie, tu ne peux pas comprendre les événements qui se sont passés chez un enfant abandonné. Et il a juste appelé cette femme, une femme mystérieuse qui s'est convenue avec toi. Ne peux-tu pas dire à ce jeune homme la vérité et permets-lui de prendre sa décision et voir ce que nous pouvons faire après ah, ok. C'est bien. Ça va. Si on partait de ce que tu dis, par où devons-nous commencer? De quelle manière allons-nous le dire? Comment pouvons-nous dire à Ikena, nous l'avons ramassé et il était dans un état critique? Dis-moi comment. Il est un homme et je suis sûr qu'il pourra le gérer. Attends d'abord, attends. Oui, je. Je. Euh, je. Je suivais ces programmes depuis. Papa, maman, quelque chose de très effrayant m'est arrivé dans la chambre. Oh, un. Un. Quoi euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils J'étais à peine rentré. J'étais dans la chambre. Et j'ai vu une dame. Elle paraît comme une déesse. Elle m'a dit que. Elle m'a dit que je suis la personne qu'elle a choisie. Et elle m'a montré une couronne et m'a dit qu'il y a des gens qui me l'ont achetée. Et ils sont en train de m'atteindre pour, pour que je puisse leur donner ma tête. Et aussi elle a disparu. Et la, et la couronne a, a aussi disparu. C'est vrai? Maman, je suis en train de dire ce qui s'est passé. Elle a parlé en français. C'était vraiment clair, mais comment est-ce que je suis confus? Il n'y a pas de rapport entre moi et le peuple. Le, le peuple qu'elle a évoqué. Euh. Va essayer de lui préparer son plat favori. Vas-y, voilà, okay? ok? Fils, j'ai demandé à ta mère de te préparer ton plat favori. Elle ne va pas traîner. Papa, j'ai remarqué que... La manière dont tu étais en train de regarder, maman, quand je vous relatais mon histoire. Y a-t-il quelque chose que vous devez me dire Je connais ce regard. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir Maman... Papa, pourquoi est-ce que vous m'avez caché une telle vérité pendant longtemps Pourquoi Je suis vraiment désolé, fils. Nous t'aimons énormément. Nous t'aimons beaucoup, et nous n'avions pas voulu te le dire pour ne pas te faire du mal. <rire> fils. <rire> tu n'as pas à nous blâmer nous t'avions juste secouru à ces temps et nous t'avions amené comme notre fils on ne pouvait pas te dire tout ça parce que nous, nous nous ne savions pas à quoi ça allait nous mener on ne savait pas où te déposer vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas cacher une telle vérité à quelqu'un vous ne pouvez pas Comment pendant beaucoup de temps vous m'avez caché une telle chose Sachez que la famille dans laquelle j'ai évolué pour ma famille biologique. Comment <laughs> Nous sommes désolés. Je dois m'asseoir, je dois m'asseoir. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de père ni de mère Non, fils. Tu y es ici ton papa et ta maman. On n'a pas dit que nous n'étions pas tes parents. Nous avions juste voulu que tu saches la vérité. La vérité, maman, la vérité. Si c'était vraiment la vérité, vous me l'aurez dit depuis longtemps. Pourquoi vous me le dites maintenant Pourquoi est-ce que vous me le dites maintenant Maintenant, pourquoi Dites-moi pourquoi vous me le dites maintenant Pourquoi La femme. De quelle femme est-ce que tu es en train de parler? Maman, parle, non, parle, s'il te plaît. Je suis en train de perdre ma tête. Parle-moi, s'il te plaît. La même femme est venue chez nous à plusieurs reprises. Et spécialement aujourd'hui, elle nous a demandé de te ramener au palais du royaume d'Akanubo. C'est fort possible que la couronne qu'elle t'avait montrée soit la couronne de ces royaumes. Ça, c'est vraiment un rêve, je n'arrive pas à y croire certainement. Pourquoi est-ce que cela ne peut que m'arriver, moi Pourquoi Quelle est cette relation ce que j'ai avec le peuple d'Akalugo Ou la couronne Et c'est pour cela que je leur avais demandé leur terrain À ton fils. Je ne comprends pas ça. Tu es en train de dire que tu étais parti au palais d'Akalugo pour demander des terres? Pourquoi faire? Pour la société, maman. La société avait besoin d'une extension. Nous avions rencontré le roi pour qu'il nous apporte un coup de pouce. Attends. Si je peux comprendre, la terre t'a été donnée. Oui. Présentement, les choses sont sous contrôle. Et qui est-ce qui est mon père Ça peut être le roi euh, Attends, fils. Lorsque nous arriverons là-bas, nous allons tout découvrir. <laughs> C'est vraiment dur, difficile à digérer. C'est vraiment difficile à digérer, Dieu. Ça paraît trop drôle. C'est séparé tellement drôle que ça a l'air de tourner à une pièce de Ça ne sera pas une pièce de théâtre parce que cette femme mystérieuse ne va plus nous déranger car nous avons fait ce qu'elle nous a demandé. Sa majesté. majesté. Comment as-tu trouvé ces garçons Ils m'ont déjà relaté l'histoire. Tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu puisses confirmer si cet homme est celui que nous cherchons. Nous pouvons nous asseoir. Asseyons-nous. Mais toi. Sa majesté. C'est celui-ci. Mais comment? 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 Comment devrais-je être abandonné par une dame probablement incapable de prendre soin de moi? Et ils m'ont trouvé, ils ont fait de moi leur fils. Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Je vais nous raconter cette histoire depuis le début. Bon après-midi, boss. Vous me cherchiez. Ça, c'est notre projection astrale. Et je veux que tu partes très loin d'ici. N'entre pas. Et ne permets à personne d'entrer jusqu'à ce que tu entends le son de ma cloche. Considérez que c'est fait, messieurs. Je m'humilie devant le grand Oma, la plus belle et la plus puissante de tous. Tu avais besoin de ma présence. Mais voici. Tu es cette prêtresse puissante qui possède le plus puissant pouvoir. Tu es cette autorité qu'on ne peut pas prédire qui contrôle la force de sa incluant le maître de l'argent. Ce n'est pas à chaque fois que tu instruis les hommes comme moi de venir participer à cette projection astrale. À quoi dois-je tout ça, prêtresse Il y a une chose pour faire l'argent et une autre chose pour maintenir l'argent. Je suis un homme d'argent. Les grands-pères politiques de l'Est, dans mes tentacules, dispensent la gloire autour des autres. J'ai fait des hommes, et je veux continuer à faire des hommes jusqu'à ce que je meure. Ça, c'est juste en une condition. Les hommes comme moi, qui avons cette tête, sommes toujours comparables à quoi que ce soit. C'est quoi la condition, grande prêtresse Le cadeau du... Son mal royal. Que veux-tu dire? Entre aujourd'hui et sept jours suivants, tu es recommandé en urgence de sacrifier le sang d'un garçon royal. Et cela rapidement. Pour que tu restes un homme de pouvoir, un très grand politicien. Tu es obligé de le faire. Ne cherche pas mon échec. Si seulement tu le fais, tu échoueras aussi en tout et pour tout. Ils vont te faire du mal. Ils te feront du mal sans pitié. Le décompte est activé maintenant. Vous avez un invité, maître. Qui Votre ami, chef Benson. Je l'ai fait attendre il y a longtemps, jusqu'à atteindre le son de la clochette. Dis-lui que je vais lui rejoindre dans paix de temps. Ok, boss. Ce n'est pas vrai. Du son royal dans sept jours. Comment vais-je arriver à les faire Chief Benson! Euh, sois le bienvenu et merci d'être venu au bon moment. Um, Chief Duben. Oh. Votre humeur n'est pas du tout bonne. Quel est le problème? J'étais en réunion aujourd'hui avec la grande Oma. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une dure demande. Et je ne sais pas comment parvenir à la réaliser. Qu'est-ce qu'elle a dit ou tu as mal compris les choses? Je n'ai pas entendu. Elle a demandé qu'un sacrifice puisse être offert au Seigneur et au Maître. Est-ce un problème? Fais tel qu'elle qu te l'a instruit. Ou il y a quelque chose qui ne va pas avec cette demande. Elle n'a pas demandé n'importe qui, mais plutôt du sang royal. <laughs> Est-ce la raison pour laquelle tu paniques Chief Dauben, nous vivons dans un monde où tout est possible. Cette requête te donnera plus de vie et plus d'argent. Je te suggère de faire exactement ce qu'elle t'a demandé. Euh, Chief, tu sais que tu es plus vieux que moi dans ces jeux. Et c'est pourquoi cette demande ne te dit absolument rien. Mais ça me tue à petit feu. D'où est-ce que je peux trouver du sang royal? Pour ça! Chief Dubel, tout ce dont tu as besoin est dehors là-bas. Réponds juste à tes tentacules et tu auras tout ce que tu cherches. Tu parles avec beaucoup de confiance. Comment est-ce que tu n'as jamais expérimenté tout ça? Et que tu donnes facilement tout ce qu'elle demande. Comment ça euh, Chief de Ben, tu sais, parfois, lorsque tu te mets, tu réalises que tout ce que tu penses être très difficile, partout ailleurs, mais elles sont plutôt très, très faciles à obtenir. Tu es en effet très... Merci. J'espère que tu sais pourquoi tu es ici. <laughs> Chief, je n'allais pas être ici si je ne connaissais pas la raison. Je suis prête. Et quand je le dis, c'est vraiment très très prête. Tu seras bonne en prenant soin de moi. Et j'espère que tu ne sortiras plus jamais. <laughs> Chief, je suis ce genre de fille qui peut tout faire pour l'argent. <laughs> Et pour cette somme d'argent, je serai très prête à tout faire. <laughs> ouais, ça c'est 2 millions. C'est pour toi. Chief. Chief! Merci beaucoup, Chief. Mais Chief, je <laughs> m'en déjà donner une partie de mon argent. Je suis un chef et tu travailles pour un chef. Nous dépensons de l'argent, voilà pour qu'on est des chefs. Tout celui qui ne dépense pas de l'argent n'est pas qualifié à être appelé chef. De même pour les hommes ou des femmes. J'ai compris ce que ça veut dire, monsieur. Hmm. Je suis en train de te donner de l'argent parce que je crois que tu peux faire de même. Et j'espère que tu vas bientôt tomber enceinte. C'est noté, Chief. Euh, une chose de plus. Je suis en esprit et personne ne va à l'encontre de mes ordres. Chief, ce n'est pas nécessaire tout ça. Nous sommes des partenaires et ces derniers gardent toujours des bonnes relations. Je vous donne ma parole. Je ferai de mon mieux. Très bien. C'est promis. Très bien. Bonne chance. Chief, merci. Merci d'être une bénédiction pour ma vie. Ouais. Elle s'appelle Pretty. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé. Je lui avais donné encore plus. Je connais tout cela, chef. La question est celle de savoir qu'est-ce que tu veux. Elle avait vraiment aimé l'enfant après lui avoir donné naissance et après elle ne veut plus me les rendre. Hmm. Hmm. Tu veux que je l'arrête Je peux te l'amener maintenant. Ou oh, tu veux qu'elle se taise à jamais hmm. Réunis tes hommes et partez chez elle. Puis, ramenez-moi cet enfant. Si elle refuse, rendez-la silencieuse pour de bon. Elle avait été payée, elle doit donner cet enfant. Quand elle prenait de l'argent, elle était toute contente sans savoir les conséquences. Considérez que c'est fait chef. Bien. Es-tu sérieux? Et jusqu'à ce point? Va dans les livres de Genèse et tu vas découvrir que Dieu n'a jamais créé de l'argent. Mais c'est l'homme qui a créé de l'argent. Juste pour maintenir la suprématie, pour manipuler d'autres constamment. Hmm. Si tu dois rester riche, alors tu dois accepter d'être initié dans la source intarissable qui produit de l'argent. Voici les hommes sans conscience. L'argent lui-même n'a pas de vie, mais il reste la source des vies. Mon but est de devenir un puissant homme politique. Et je ne suis pas intéressé par toutes ces choses dont tu, tu parles. La belle dame vient de te faire une demande du sang royal qui fera que tu puisses rester tel que tu le veux. Alors tu n'as qu'à le faire et tu n'auras aucune raison de pouvoir te lamenter. Tu parles comme si c'est si facile. Rien dans cette vie n'a déjà été facile. Tu sais que la grande dame m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Et tu sais très bien que le Prêtres n'ont jamais des femmes. Mais elle m'a déjà demandé d'apporter le sang d'un prêtre. Mais tu ne me l'as jamais dit. C'est justement parce que je n'aime pas me plaindre. J'ai toujours pour moi une raison de me relaxer et chercher à résoudre les problèmes. Comment étais-tu capable de le faire? Une chose que tu dois savoir est que beaucoup de prêtres qui paraissent célibataires à leur congrégation ont tous des stéréos familles. Ils ont des femmes et leurs enfants connaissent bien leur père. Mais, mais ils ont trouvé une façon de les garder secrets. J'avais envoyé un missionnaire en mission et en effet, j'avais trouvé un fils d'un prêtre. Si la grande dame t'aurait demandé le sang royal, ça signifie qu'elle sait que le sang royal est là. Trouve-les juste et donne-les lui. Faute de quoi, tu vas absolument tout perdre. Voyons qui nous visite. L'éternelle belle dame, Madame Green. Bon après-midi à toi. Bon après-midi, mon cher. Comment tu vas Tel que tu peux le voir, je vais bien. Mais le boss n'est pas à la maison. C'est vrai Oui. Où est-il allé Il est parti pour Calaba pour une conférence internationale. Mais en fait, il t'a laissé cet argent. Mais il ne me l'a pas dit. Alors, euh, je ne peux pas le croire. Je suis vraiment désolé. Mais je suis sûr qu'il te tiendra au courant une fois de retour. Mais s'il te plaît, ne le tiens pas rigueur. Ok. Tu peux quand même me laisser entrer, s'il te plaît Je pense qu'il ne sera pas bon pour moi de l'attendre. Je suis vraiment désolé, Miss Green. Si c'est ce que vous ressentez, il est mieux que vous cherchiez un hôtel dans les environs où vous pouvez passer la nuit. Il ne sera pas possible pour moi de te laisser entrer. Pourquoi il est vraiment prudent pour vous de respecter ce que je vous ai dit. Je peux vous trouver un hôtel dans les environs. Ne vous inquiétez pas sur le paiement ou le frais, c'est sur moi. S'il te plaît, arrête un peu avec tes conneries. Ouvre-moi la porte. Je suis désolé, vous ne pouvez pas. Je viens de vous dire que le boss n'est pas à la maison. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Mon cher. Mon ami. Oui, monsieur. Je suis un homme qui a déjà bâti son empire. Et je ne tolère pas les amateurs, les gens qui viennent pour faire tomber les autres. Et ces grands problèmes tournent autour de ma propre existence. Et comme un homme de pouvoir, je ne tolère aucune laxité. Alors vous pouvez me croire, chef. Je ne vais pas vous décevoir. Et ce ne serait pas la première. Et laissez-moi vous assurer que si quelque chose allait très mal, je ne vais pas vous dévoiler. C'est bon alors. Et quand est-ce qu'au plus tard, je peux déjà avoir un enfant issu du sang royal? J'ai déjà parlé avec toutes ces femmes. Espérons cette semaine. Mm -hmm. Je suis désolé de vous déranger, boss. Miss Grain est d'ailleurs en train de se mettre des ordres. Que veux-tu dire en ces mots du désordre Je lui ai certainement fait savoir que vous n'êtes pas ici dans la ville. Je lui ai dit que vous êtes allé à Kalaba pour une conférence internationale. Mais elle continue à insister d'entrer pour passer la nuit. Ne t'inquiète pas. Je vais moi-même le gérer. D'accord, boss. Mais qu'est-ce qui ne va pas On a midi monsieur. Mais quel baiser suis-je en train d'entendre Dieu merci, toi-même tu l'as dit. Ton gardien refuse de m'ouvrir la porte. Il m'a laissé dehors. Il me dit que tu partais à Calabas ce matin. Mais je sais que ce n'est pas la vérité, parce que tu ne peux pas voyager sans pour autant me dire. Vraiment Veux-tu que je te tue ou quoi Mon roi, mon chéri, pourquoi tu me parles ainsi je suis venu passer la nuit avec toi parce que je ne peux pas rentrer à la maison aujourd'hui. La première vérité, c'est que je suis en ville. Et la seconde, c'est que je ne veux voir aucune personne aujourd'hui. Et la dernière, c'est que si tu ne quittes pas devant cette porte à cet instant, tu ne vivras pas pour raconter l'histoire. Pourquoi ils me traitent de cette façon La plupart des filles qui ont disparu sans trace, c'est juste parce qu'ils ont refusé de partir quand ils le devraient. Ne soyez pas folle, Miss Green. Et toi aussi Comment tout le monde peut me parler comme ça Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête oh. oh mon Dieu. Si tu as besoin de plus d'argent, dis-le-moi à temps afin que je puisse te le fournir. J'ai besoin de cet enfant. Et je le veux urgentement. J'ai suffisamment d'argent me permettant de réaliser ce projet. Vous ne serez pas déçu. Appelle-moi. Aussitôt que tu as l'enfant. Je les ferai sans problème. Hey, « Hé, mon ami, comment vas-tu? Comment ça se passe? Oh, tu as déjà ses sangs royales? C'est très bien. Et où es-tu maintenant? Donc tu viens dans ma maison? <laughs> bien, je pense que tu es en train de venir avec cette femme. Euh, euh oui. Nous, nous, nous voulons vraiment qu'elle puisse être là afin qu'elle puisse s'assurer que le bébé sera en vie jusque demain. Non, 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 non. Je ne veux pas de fête pour ça. La même personne qui a facilité le processus, c'est lui qui doit être notre meilleur choix maintenant. Oui. Je suis prête à payer un peu plus d'argent. Il suffit juste que tu fasses tout ce que tu peux faire. Il va me les livrer dans trois jours. Les dieux sont en effet bons et en vie. Mmh. L'homme qui veut demeurer puissant ne doit jamais oublier sa source. Le grand temple d'Oma est ma source. Et comme demandé, j'ai trouvé le sang royal. Et je l'ai placé sur la pierre de la richesse. C'est comme un désert. Et le désert, c'est comme une terre. Que les hommes ne peuvent exploiter l'infertilité du désert, t'emmènera à découvrir ce qu'elle produit la, la révolte, révolte comme le fils du, du désert. C'est ce que je réclame de vous, les vierges de la pierre de la richesse. J'ai vu le sang royal que tu as placé sur la pierre de la richesse. Comme on ne peut pas quantifier le soleil dans le désert, ainsi sera quantifié ta richesse dans le monde. <laughs> Merci énormément, la belle Oma. Il est temps de poignarder. Qui es-tu et que fais-tu dans mon sanctuaire Me tenir devant toi est une grande chose que de se tenir devant tout autre sanctuaire occulte. La déesse messagère du royaume d'Akalugo. Et c'est quoi mon problème avec toi tu ne peux pas tuer cet enfant que tu as sorti dans ton miroir occulte parce qu'il a une place chez moi. Si seulement tu désobéis, je ne veux pas seulement faire tomber ces temples. Je te tuerai et tuerai ton âme pour toujours. Où est-ce que tu as trouvé cet enfant euh, euh, J'avais engagé un jeune homme qui s'appelle Boyo de le prendre pour moi. Il ne s'agit pas de cet enfant. Retourne cet enfant, sinon tu verras mon autre visage. Écoute-moi. J'ai mon fiche. D'où est-ce que tu as pris ces méchants enfants tout ce que je veux, c'est un remplacement. Je suis vraiment surpris, boss. Mais je ne peux pas le remettre. Parce que je vais tuer celui qui l'avait acheté. Ça, c'est la vérité, boss. Parce qu'une quelconque arrête de les laisser en vie allait tout gâcher dans l'avenir. Plus de 97% des femmes ne savent pas garder le secret. Tuer cette femme a encore empiré la situation pour moi. La déesse avait insisté que nous puissions le retourner. Et qu'il avait sur lui une bénédiction. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Boss. Je peux toujours faire quelque chose. Je vais m'en sortir. C'est mieux. Je suis en train de m'inquiéter pour tout quel type d'histoire je sais que tu m'as toujours dit que tu m'as épousé parce que tu m'aimais telle est la vérité tu y es tout pour moi ta voix finalement comme ma femme est la meilleure expérience que je voulais perpétrer as-tu écouté les docteurs Anya que cet avortement a causé des problèmes en moi le docteur a dit je ne suis plus capable de concevoir. Ah, je t'avais dit que ça ne me dérangera plus jamais. Je peux comprendre la situation et je te tiendrai compagnie. Ce n'est pas grave. Nous finirons par concevoir quand nous les voudrons. Je veux dire que la volonté de Dieu n'est pas encore manifestée. Ça va. Je ne te permettrai plus jamais de te plaindre sous mon toit. Tu es vraiment le meilleur de tout. Et toi aussi tu es la meilleure. Viens, viens dans mes bras. Viens. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant C'est quelque chose de très dangereux qui peut te diriger vers la mort. Je suis vraiment confus. Je ne sais même pas d'où est-ce que Boyo a pris ces méchants enfants. La déesse messagère du royaume d'Akalugo. Je n'ai jamais été à l'aise avec les dieux et les déesses. Ils sont vraiment supérieurs aux occultistes et aux maîtres. Et leur acharnement foudroie toute puissance. La manière dont la grande Oma m'avait demandé de leur donner a plus d'importance que ce que tu dis. Honnêtement, j'avais vite la crainte dans ses yeux. Tu dois obtenir un remplacement le plus tôt possible. Je n'ai jamais aimé cette expérience. Jamais. Bouillot est déjà sur ça. Et c'est le seul qui puisse le faire. Donc, la déesse est parvenu à entrer dans ce que nous faisons ici Comment je veux sortir de ce problème hum, Je ne peux pas croire que c'est moi qui suis en train de faire ça. Ramasser un enfant abandonné puis l'amener à la maison. Ceci est vraiment coupable et je peux envoyer ma femme en prison. Ah. Mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a Es-tu dérangé pour ça Extrêmement sceptique. Ceci n'est que parce que je veux comprendre cette situation. Laquelle, si je peux demander Chérie, les familles dans ce pays se sont finalement retrouvées dans des situations très difficiles. Parce qu'ils ont ramassé un bébé tel que nous l'avons fait. Peut-être parce que les gens tuent les enfants. On ne planifie pas de les tuer. Nous allons le garder ici. Et ne me demande pas pourquoi. Les complications de l'avortement, c'est toi qui me l'as causé. Je suis maintenant victime de tout ça. Ça, c'est une façon pour nous d'avoir notre propre enfant. Euh, 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 je comprends. Euh, 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 mais ce n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Alors qu ce que tu veux dire que nous devons ramener cet enfant là où nous l'avons ramassé euh, 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 Ça, ce n'est pas ce que je dis. Euh, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que nous pouvons amener cet enfant dans une agence pour qu'on prenne soin de lui. Peux-tu t'entendre, Anya, que nous devons retourner l'enfant et rester sans enfant Et après, une autre personne viendra euh, adopter cet enfant pourquoi ne pas prendre soin de lui, s'il te plaît? Je sais que nous n'avons pas d'enfant, mais je crois que nous aurons les nôtres. Agna, considérons ça juste comme une bénédiction. D'autres personnes cherchent cette opportunité, mais nous l'avons eue. S'il te plaît, chérie, je t'en supplie. Laisse-moi aller le voir. Chérie, comment vas-tu élever cet enfant? Un bébé a besoin de lait maternel pour grandir. Et tu sais que tu n'en as pas. Je sais ce que je veux faire. J'avais déjà acheté le lait pour lui. Et tu le sais très bien. Et euh, j'appellerai les médias pour venir le voir. T'inquiète, mon amour. Il sera bien. T'inquiète. Cette femme est vraiment sérieuse à propos de ça? Le petit vient de dormir. Alors, qu que tu dis Es-tu sûr que celle-ci est une bonne décision Sommes-nous toujours là À mon avis, on aurait ramené ce cas entre les mains de l'agence de sécurité. Ou envoyé cet enfant à l'orphelinat. Je comprends ta crainte, mon mari. Mais tu dois te surpasser. Nous étions à la recherche d'un enfant il y a de cela dix ans passés. Ne laisse pas cet enfant passer pour un orphelinat. S'il te plaît, élevons-le. Prenons soin de lui. Mon mari, s'il te plaît, considérons cet enfant comme notre bénédiction. Et, et que diront les gens Très simple. Très simple. Nous dirons à tout celui qui voudra savoir que nous l'avons adopté. Personne ne va compliquer. Les couples adoptent toujours les enfants et ça fait quoi J'espère que tu sais dans quoi tu t'es te parce que je ne veux pas de problème. Qu'est-ce qui arrivera si cet enfant est possédé par des mauvais esprits Ou alors que, que quelque chose arrivait à cet enfant Oh, s'il te plaît, arrête-moi cette histoire. Je suis prête à devenir mère pour cet enfant. Et je suis sûre que tu joueras bien le rôle du père. Laisse-moi aller le voir. J'ai toujours voulu ce qui te rendra heureuse. Alors, si vraiment ça te rendra heureuse, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça, c'est Monsieur Anya, l'homme attentionné que j'ai épousé. Merci. Je suis content que tu sois finalement heureuse. Je le suis. Bien. Merci. Ils avaient tué l'infirmière pour la faire taire et pour éviter une certaine liaison. Mais la déesse avait intervenu. Boyo avait abandonné ce garçons. là où vous l'avez trouvé. Que les dieux soient loués. Ici. J'en ai de trop. C'est beaucoup trop pour moi. Cette, cette femme qui m'a donné naissance. Où est-elle maintenant euh, Nous avons déjà résolu cela. Nous remercions les dieux pour leur amour. 28 années passées que j'avais chassé une servante grosse de moi. Cette servante a vécu l'enfer avec cette grossesse. Quand elle a finalement mis au monde la soi-disant infirmière qui était venue l'aider, cette infirmière avait volé ce bébé. Et ce bébé, sauf so bien toi. Ça, c'est vraiment compliqué. Hein, votre Majesté, vous voulez me dire que mon fils qui est ici est jumeau Oui. Il a sa jumelle. Qui, par la grâce des dieux d'Akalogo, nous est finalement revenu. Viens, mon fils. Ezemo, vraiment, je suis inquiet. Je suis au nom du royaume d'Akalougo. Et je le confirme. Je suis celui de qui les gens peuvent demander des questions et savoir ce qui se passe dans notre royaume. Je sais que tu connais ce qui se passe dans notre royaume. Non. moi je suis au courant de rien. Je ne sais rien du tout, voilà pourquoi je suis inquiet. À l'heure que nous parlions. Il n'y a pas l'héritier du trône. Oui, je suis d'accord que nous avons le roi. J'aimerais que nous puissions comprendre que cet homme peut aller dormir un jour et il ne saura plus jamais se réveiller. Il peut dormir pendant les sommeils et on l'a vu autant de fois. Dans plusieurs endroits. Maintenant, ce qui s'est passé Et Cela devient le camp de ce royaume. Et lorsqu'il n'y a personne, cherchez les successeurs. Du roi. Pas d'héritier du trône. Et que le roi meurt. Tu ne vois pas que cela peut être un désastre dans le royaume d'Akalugo Et c'est ce que j'essaie de L'héritier du trône est déjà là. Les dieux. Et les ancêtres du royaume d'Akalugo l'ont confirmé. Il reste de laisser les sceptres dans 40 jours comptés d'aujourd'hui. Mmh? Oui. Et oui, Zemo, tu es sérieux Et c'est qui l'héritier mmh. C'est le fils du roi. Et il est connu. il a été choisi depuis très longtemps. Va dire au roi ce que j'ai dit. Ezemo, c'est vrai ça. Ça va se faire. Ça m'étonne. Je suis vraiment désolé sur tout ce qui s'est passé parmi nous. Mais il est bon de savoir qu'il y a maintenant de la paix parmi nous. Papa? Tu es heureuse que tu redeviennes comme avant. Merci. Je voudrais demander pardon à mes reines spécialement. Parfois, nous nous rendons compte que les situations sont plus fortes que nous. Euh, ceci arrive très souvent lorsque nous n'avons pas des épaules pour tenir le coup. Mais je suis là pour vous dire que je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. <laughs> Ça va, mon roi? Je suis contente que tout soit au passé maintenant. J'étais en train de penser si on pourrait organiser un dîner familial. Sur ce, nous devons inviter le prince Ikena et ses frères, ainsi que leur maman. Et nous allons nous réjouir et vivre ensemble comme une grande famille. Là, tu as bien parlé. <laughs> et vous savez quoi? Je veux faire une liste. Mmh. Ok, oui. c'est bien. Alors, euh, puisque je suis d'accord avec vous. Je pense que je vais vous laisser un peu de temps sous la supervision de ma femme pour que vous fassiez ce que vous êtes supposé faire. <laughs> et aussi, je pense que nous devons sûrement répandre la nouvelle dans toute la ville. Et surtout, wow. éviter tous les frères et cousins. Considère que c'est fait. <laughs> Maman, papa, oui fils. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissant. Et euh, maman, la très nécessaire, je voudrais te dire que cette nouvelle qui m'est venue pour que je puisse devenir le successeur au trône rassure toi, ça ne changera absolument rien sur moi. Benita et Belinda resteront pour toujours mes sœurs. Ok, et vous deux tels que vous êtes là. Spécialement vous, ma maman. Et mon papa. Et je suis toujours le, le plus beau garçon. Humble et intelligent comme je l'ai toujours été. Cela ne changera jamais, non. Croyez-moi, vraiment. Merci beaucoup, papa. Fils, tu ne dois pas nous remercier pour quelque chose. Nous sommes fiers de toi. Toujours fiers de toi. Vraiment, vraiment. <laughs> Merci, papa. Voici Merci. mon fils. Je suis tellement fière de ta maturité et je suis fière de t'avoir comme fils. Euh, maintenant que tu rejoins ta famille biologique, je suis heureuse pour toi et je suis sûre que tu vas nous représenter avec fierté là-bas. Bien sûr, maman, je le ferai. Cette famille restera ma famille. Hmm. Ma première famille Tu as tout à fait raison Merci papa Je suis vraiment oh, reconnaissant merci Non merci beaucoup. mon fils Assis-toi Mets-toi mets, -toi. mets, -toi. Oh, mets -toi. mais toi. prends place <laughs> mon cher Parce que tu vas me manquer <laughs> Je suis contente de te revoir encore ah. une Merci ma reine J'ai euh... Je sais que mes actes Ont vraiment affecté la reine Que tu es Vraiment, mais je ne pouvais pas m'éviter. J'étais en train de passer une situation difficile de ma vie. Mon amour, j'étais prête à tout parcourir avec toi. Mais tu avais décidé de tout garder toi-même. C'est déjà terminé. Je suis désolé, ma chère. Vraiment désolé. Je suis contente que tu récupères ta vie maintenant. Mon roi, je suggère que tu épouses cette femme comme troisième. Euh, pourquoi est-ce que tu suggères cela euh, Parce qu'elle a beaucoup enduré pour toi. Le fait qu'elle était restée célibataire. Et quelque chose d'anormal chez un humain. S'il te plaît, pense à ma suggestion. Mmh. Bien, je je pense vraiment que et tu as une grande expérience d'étoile reine et. De, Devoir m'accorder une telle opportunité de corriger mes erreurs du passé, mais par rapport à ça, ça, ça va, ça, ça va dépendre d'elle. Qu'en est-il si elle disait non, mon roi La réponse dépendra de ton appréciation. Si tout ceci nous donnera une opportunité de guérir toutes ces plaies. <laughs> J'ai toujours sûr que tu as un bon cœur. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Oh, j'essaie. Ok, ok. Ok, ok. Calme-toi. Maîtrise-toi. Je vais t'expliquer maintenant. Écoute, beaucoup de choses se sont passées dans la famille. Mais l'important est, nous allons bien. C'est toi qui es en train de dire ça Tu nous manques tous. Mais moi, tu me manques un peu plus. <laughs> oui, la famille va s'agrandir. Et papa va voir une autre femme. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ike, calme-toi, non. Quand tu vas revenir, je crois que tu comprendras. Et tu vas aussi les soutenir. Hello il a les droits de autant de femmes qu'il veut. <laughs> oh, ne te dérange pas. Quand tu vas revenir, tu vas comprendre. Ok, ok, ça c'est bien. Tu me manques. Et je t'aime aussi, oui. Je suis heureux que nous ayons nos filles. Nos... Je n'ai aucun mot à employer qui puisse exprimer ma douleur. Comprends-moi. Je suis désolé. Euh, moi. je sais que je t'ai offensé. Je te demande de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en supplie. C'est bon, votre majesté. Je vous ai pardonné il y a longtemps. Je n'ai rien contre vous. Oh, merci. Merci beaucoup. Honnêtement, tu es un cadeau précieux. Hein? Il est vraiment rare de trouver une femme comme toi. Merci beaucoup. J'aurais souhaité réaliser cela beaucoup plus tôt. Merci quand même. Ne vous en faites pas, mon roi. C'est déjà passé. Je n'aime pas me rappeler de choses que j'ai déjà oubliées. Tu as maintenant deux enfants avec toi et je suis très heureuse pour toi. Euh, euh, il faut, ma, je sais que tu es beaucoup heureuse pour moi, je le sais très bien. Hein. Je ne sais pas quoi te dire, Adézé, je suis heureuse. Je sais que tu es heureuse, mais tu serais plus heureuse en tant que reine. Ta reine Comme l'une de tes épouses Mais oui, la troisième et dernière. Pardon, ne parle pas de ça, je t'en prie. Pourquoi <laughs> Mais ça, en dehors de nous. Que ça reste comme ça. Non, nous n'allons pas changer de sujet, Ifoma. Tu sais que j'ai déjà parlé de ces sujets avec la reine Isioma. Elle était totalement d'accord. Elle a d'ailleurs dit que, que ta venue va compléter vraiment notre famille. Elles ont dit ça Mais Oui. Euh, écoute, je ne suis pas en train de te forcer à ce que tu puisses me répondre maintenant, hein Je t'accorde les temps de réfléchir à propos, hein euh, euh, Maintenant, je pense que tu demanderas à ma fille de venir m'accompagner. Oh. Tu avais dit non avant. Je l'ai accepté, mais à présent, j'insiste que tu dois manger quelque chose chez moi. Oh, euh, vraiment Oui. Qui suis-je pour dire non à la reine quand elle insiste que je puisse manger ici, en fait, les sangs royal savent ce que ça signifie. Je suis d'accord avec toi. C'est moi à manger, je vais manger. Je connais <laughs> quelque chose sur le père de mes enfants. Je ne veux pas perdre cette occasion. Attends-moi. Les dieux de mes ancêtres, faites ceci pour moi. Et je vous serai infiniment reconnaissant. Oui, euh, c'est vraiment clair que... Vous êtes la seconde femme du roi parce que vous êtes venue comme une reine. Mais je veux vous appeler la seconde épouse. Et me comporter comme la troisième femme. Oh, Chinoué, s'il te plaît, ne me fais pas pleurer. <laughs> tu es la seconde femme du roi et nous nous en rappellerons toujours. Je veux que tu saches que... Tu es la mère du futur roi. Un futur roi qui est très attentionné et social. Honnêtement, la place que je te donne, tu la mérites même si tu ne le demandais pas. Tu nous je me sens mieux comme ça. Ok? Bien, 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 bien. Je le vois différent. Pour moi, nous sommes toutes mariées à cette famille. La seule famille que nous avons maintenant. Oui. Qui est venue la première, qui est venue la dernière, cela n'est pas du tout mon problème. Mmh. La chose la plus importante <laughs> est que notre mari est heureux. Voilà. Mmh. <laughs> Je ratais un événement ici. C'est quoi la nouvelle? <laughs> Waouh, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que nous, le reine, sommes en train de régler mmh. certaines choses. Mmh. Comme vous, le princesse avait aussi l'habitude oh. de faire. <laughs> Et le prince également s'est soi-entendu. Oh, oh. Je suis peur. heureuse de voir comment les choses se déroulent dans notre famille. Oui. C'est merveilleux. Je ne sais pas, quelqu'un parmi vous a-t-il remarqué cette ressemblance entre les deux princesses C'est très ça ça? difficile qu'une personne puisse mettre en doute que vous deux-là, vous êtes d'une même famille. Oh oui, je confirme cette ressemblance. C'est juste que mmh. une est d'un clair oh. et une autre est d'un noir. Ah, exactement. Je <laughs> veux dire, moi je ne peux pas voir cette ressemblance. Mmh. Si, si tout, tout le, monde le monde la voit, voit alors. alors... Que ah. je veux <laughs> et maintenant, nous vous laissons faire vos histoires de reine, le reine. Oh. Ok. Ah okay. oui. Okay. Okay. ok. Tu es si belle. <laughs> oh. Ah, je, je suis, suis très vraiment contente. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse pour ma fille. Enfin, elle se réjouit entre sœurs et frères. Et ensemble, ils vont partager leur expérience. <laughs> <laughs> tu y as l'air heureuse. Merci beaucoup. <laughs> maintenant, dis-moi. Euh, rien de sérieux. J'essaye de construire quelque chose de moi-même. Ça, c'est pas un problème. Tu commences tes travaux demain matin. Tu commences à blaguer avec moi maintenant. Je suis la DG, ma chérie. Et tu n'auras pas un bon boulot. Que ça. Oh, merci beaucoup. <laughs> oh, ma chérie, il ne faut pas que tu me remercies. Tu seras à une position exécutive et tu en as besoin d'une secrétaire et prends ça de cette manière. En cherchant un travail, tu deviens directement employeur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, <laughs> oh, j'allais dire, prends ça sous cet angle. Du moins, nous vous aimons, vous, aimons vous, vous deux. <laughs> Le royaume d'Akalugo vous avez vous deux. Content de vous voir. Alors? <laughs> Je veux que vous sachiez que l'homme qui est debout à côté de vous est un homme super. Il a de bons plans, non seulement pour les palais, mais aussi pour tout le royaume en général. Ouh, ah, vraiment, vous... parlez nous de ça. <laughs> Je sais, mais nous au parfum. Vraiment, j'étais en train de dire à euh, à mon mmh, frère ici, j'aime ça euh, j'avais beaucoup d'idées pour étendre la société et. Mmh. Euh, Faire en sorte que nous gagnions beaucoup d'argent plus que maintenant, là. Ça, ça serait en compétition. <laughs> Bien, je sais qu'un jour, nous allons tous lui adresser comme mon roi. Oh, oh c'est vrai. Mon frère, viendra moi. Notre frère. Roi Lave tes mains pour la purification. C'est oui, ce qu'on attendait depuis très de longtemps. Lave tes mains pour bien avancer. Voilà, <laughs> c'est ça. Bien. <laughs> Vous voyez, c est c est voilà ça la confirmation. Voilà ça la confirmation. Même. Tiens ce sceptre pour confirmer que les dieux et les ancêtres du royaume t'ont accepté. Allez-y, fais les Voilà la tu confirmation C'est <laughs> bien ça. Notre roi, <laughs> notre roi. <laughs> hey. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Ça c'est la couronne pour les grands princes d'Akalugo. C'est à toi. Et je te couronne comme le futur roi de ces royaumes. Tiens. Ça, c'est un vrai choix des dieux. En tant que aisément. Et ceci est du royaume d'Akalugo. Juste devant les sceptre d'Akalugo, je te couronne le prince du royaume d'Akalugo. <laughs> Vraiment. Tu régneras après ton père. <laughs> voilà le prochain roi Notre roi, oh, roi. Quelle joie enfin Nous avons enfin notre roi Notre tu roi Notre roi est là Oui ah. <laughs> Notre roi Notre roi Notre roi nous Notre, avons notre nouveau roi Notre roi <rire> <rire> ah, ah. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tuy, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées. Ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing.aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99, précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À vous le guichet unique pour tout divertissement.